Bonjour, 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 hop, attendez, je suis sur, je vais faire des réglages sur OBS, ça peut le faire, je sens que je vais faire de la connerie, je vais faire de la merde, je vais faire de la merde sinon, voilà, hop, bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça, ce message, non, ok, je sais plus trop, c'est quoi, c'est un PC portable, ça ou pas, ça? Ok. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre. Ça existe ça, sur un PC portable, hein? Ah ouais. Putain. Vache. Attends. C'est un PC portable, ça? Avec un i9. Ah ouais, 99,80. Ah ouais, c'est un Asus, tous les coups. Ok. Ok. Ouais, c'est clair que là, il faut trouver le truc. Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre son truc, mais ouais, c'est un PC portable. Par contre, il y a un truc qui doit bloquer le DMI. C'est chiant parce qu'on peut pas voir ce qu'il y a dessus avec ces logiciels à la con. Donc il y a deux écrans. Petit virus Defender. 64 gigas sur le PC. Vache. Ouais, c'est un PC portable aussi. Donc, je crois qu'il est quand même pas oufissime. Ouais, c'est pour ça que j'ai des références d'écran à la con. Je sais pas. Bizarre. Il y a que ça qui me dérange, mais bon. Je sais pas. C'est bizarre quand même ce truc. Le 27.2 est revenu à 27.1.3. Donc du coup, ça rame moins. Mais. Ouais, faut qu'il vérifie ça. Allez, ça c'est fait. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on a de beau? Rien. C'est la merde. Okay. Hop, on lance Steam. Steam est lancé. Il est lancé. Ok. Bon, on va continuer notre aventure d'hier sur The Silent Age. Faire ça. Silent Age. Silent Age. On va changer la catégorie. Silent Age. Silent Age. Passer sur le jeu direct. Tac. C'est parti, normalement. Oui. C'est bon. Ok. On passe sur le livre. Changement de caméra. Voilà. Alors, donc, du coup, ça a changé ou pas, là? Peut-être que j'appuie sur OK, ça marchera mieux. Non? Pas. Est-ce qu'il ne plaît pas? Un truc qui ne plaît pas. Si, c'est fait.
Ça met trois plombes à s'actualiser, là, ce merdier. Télé. Pourquoi je n'ai pas... Ah oui, attendez. Ah putain. Ah bordel. Ça marchera mieux si je mets ça là. C'est bon. Je suis sur la bonne catégorie. Voilà, allez, hop, on lance. Alors, best, oui. Plat. À plat. Coupez la musique. Quelle violence. De musique. Méridien. C'est beau. La musique. Oui. Oui, c'est fort. Donc, on est sixième. Ok. On est au sixième chapitre. Ah, le monsieur, il va faire le point. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. Ok, très bien. Danger des crocodiles. Des crocodiles. Dundee. J'ai déjà dit hier. Un trophée. Ah! Il y a un clic. Un clic mécanique. C'est quoi ça? Une pompe à lavement. Ah oui, ça peut être pratique. On a besoin de se laver. Ah! J'ai piqué le bouchon d'essence. Je suis content. Il y a rien d'autre que des couvertures ici. Ah, à piquer le rétroviseur. Je n'entendais pas en ville avant d'avoir trouvé l'Amber. On va prendre le courrier, on va être sympa avec lui. C'est le bon endroit. Oui, mais je vais piquer le courrier. Non, je veux pas. Parce que... On peut pas, c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. La musique, elle est forte par rapport à hier. Je vais baisser un peu. Je passe ça un peu. Regardez où ce bon. Ah, je l'ai plus. Merde. Je dis. Oh putain. Oh putain. Son mélangeur de volume. Je le vois pas là. Hop, 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 hop. Tac. On va faire comme ça. Bon, ça va baisser légèrement. Allez, cours, Forest. Ah. The Bark. Rempli d'eau, le bateau n'a qu'une seule destination, le fond. Ah ben, on va utiliser la pompe à lavement. Ah, j'ai failli bloquer trop rapidement la pompe. Il va y avoir un meilleur moyen de vider la barque. Bien. Ben, je prends la coupe. Trop fort. Vider. En plus, il n'y a pas de trou au fond. J'imagine que c'était juste de l'eau de pluie. Ah. Ce que j'aime bien, c'est à chaque fois on utilise un objet et à chaque fois il disparaît. Ça, c'est génial. J'ai pas de rame, je dois faire marcher le moteur. Ok. Je vais remplir. Merde. Ok. Ah, attendez, parce qu'il faut que je prenne... Oui, mais je vais mettre dans quoi? J'ai... Bon, bref. Bref, on va voir. Il va me dire. Pour la solution de ce machin, la pompe est pleine d'essence maintenant. Ah, ok. Faire des allers-retours. Non, c'est une blague. Attendez. Ah ouais, ah, par contre je peux plus l'utiliser. Allez, allez, pachi. When I was a little lad, and so my mother told me, way pas beaucoup de vagues, hein. We'll ne faisons pas beaucoup de vagues. Joe. Magnifique. Nous sommes sereins. Des crocodiles. Bon, on va rentrer, hein. Le nom n'a pas peur. Des crocodiles. Les pointes sont pratiquement pointues comme s'ils étaient affûtés exprès. Ah. C'est pas grave. Je vais prendre le cric. Pour défoncer les burrs. Ah. Les césarires. Je pense que ça peut être utile pour tuer les zombies. Ah. Il y a un crocodile. Non, c'est pas possible. Je vais couper la... Je peux récupérer la fleur, là, non? Je vais faire baiser par le crocodile, là. Oh, t'es mort, il y a comment? Attends, je vais lui péter la gueule.
Ça me donnerait probablement l'épitaphe la plus virile de l'histoire, mais il ne resterait personne pour la graver sur ma tombe. Ça, c'est sûr. Mais on va aller chercher le panneau. Non? Je peux pas piquer le panneau, là? Il fout sur la gueule. J'ai compris, Lambert, aime tranquille. Je crois que des panneaux indiquent attention, les crocodiles sont très clairs. Non? C'est en métal, le sécateur est aiguisé, mais pas aussi aiguisé que ça. Ah, zut! Attends, du coup, on a quoi, là? Ok. Ok. Attendez. Je vais utiliser le sécateur sur le bateau. Je n'entrerai pas sans avoir trouvé Lambert. Merde. On va se changer d'époque. Merde. Attendez. Oh putain. La gamme coincée. Ouverture du portail. Ah mais oui, mais je suis bête. Oh là là. Juste à couper la clôture. Il est très con le crocodile. Sécateur de l'histoire ancienne. Il va faire un trou. On se taille, on se casse, on se tire ailleurs, comme dirait l'infanterie. Hmm. On ouvre la porte, hein. On est con. Bonjour. Oh. Plein de trucs électroniques. Ah, 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 ah. Vite. Vite, vite, j'appuie sur les boutons partout. Une clé là. Cool. Dire que Lambert se préparait à son propre torboyau ici. Ah. Ok. C'est quoi? Dessin? Dire des schémas de l'alambic. Ok. En fait, le mec, il faisait du trafic d'alcool. Super. Donc là, je pense. Oh, il y a un poisson. On va l'électrocuter. Ça, c'est cool. Regardez. Mmh. Ah! Ah, oh putain. Et hop, je prends le poisson. Même s'il ne bouge plus, il est trop loin. Ah merde. Ah zut. Ah, j'étais content de ma connerie là. Merde. C'est quoi là? Une pince? Bah oui, on prend la pince. Et on va attraper le poisson avec la pince. Parce que c'est dégueulasse. On a Nemo dans la poche. Ah, on va le donner au crocodile. Bête. Je pense pas qu'il y a un poisson. Non. Attendez. Bon, c'est ça qu'il faut faire quand même. Ah ouais. Bah dis donc. Il en faut pas grand chose. Ah, une tronçonneuse. Je vais prendre la tronçonneuse. Je la mets dans la poche. Voilà. Une belle tronçonneuse dans la poche. Bon, attends, on va découper la porte, hein, on va pas s'emmerder. Hein. Toujours pas d'essence, merde. Pas grave, on va tuer le torboyau de l'autre, là. Ça a pas marché, non? Mais torboyau. Tac, tac. Allez, vas-y. J'ai rempli l'alcool de l'alambic, vraiment. Ça a vraiment marché. Ah ouais, ouais, non, elle va fonctionner une fois la tronçonneuse. Juste pour découper la porte. Mais quelle violence dans ce jeu! Mon dieu. Ah ouais, jetable. Hein. Tronçonneuse jetable. Excellent. Oh! C'est un triangle fait de cubes qui tourne en rond. Ah ouais. Et là, c'est quoi? C'est un triangle. C'est un triangle qui tourne en rond. C'est bon. Un autre qu'une boîte d'allumettes. Ah bah je la prends. C'est cool une allumette. Une boîte d'allumettes surtout. Y'a un autre? Non? Y'a un autre? Ok, ok. Non, je peux toujours pas me changer d'époque. C'est moche. Horloge étoile. De mer. Il y avait un fusil là. Le mec, il a un fusil. On le tire bouchon, on sait jamais. Ça peut être utile. Oh, des bookings. Intéressant ici. Alors là, c'est quoi? C'est un machin qui tourne en rond. Un truc muche. Il n'y a pas une seule courbe, mais ça tourne en rond.
Il y a un truc bizarre, ça tourne en rond. Ils sont ici. Je suis à peu près sûr que ce sont tous les mêmes. Ils sont très épais, j'espère qu'ils se manquent. Alors attendez, on va allumer là. Il n'y a qu'une allumette, j'aurais qu'une seule. Ouais, on va mettre les bouquins. Et on va allumer le feu. Parce que nous, on fait un auto-dafé. Voilà. Empreinte de poussière. Il devait y avoir un fusil ici. Non, tu crois? Ah, c'est exceptionnel. Exceptionnel ce jeu. Ah, là, c'est un truc qui tourne en rond, sinon. Je le vois à peine, mais elle ressemble à d'autres peintures d'ici. Ouais. Ah, on va jouer du piano. Debout. Classe. J'aimerais savoir en jouer. J'ai jamais appris à jouer du piano. Je suis très bon au kazoo. Ah oui. Au kazoo. Mec. Il est très bon au kazoo. Ok, alors du coup, faire quoi là dans cette histoire? Un tapis. Voilà. C'était couru d'avance qu'il y avait une trappe. Bah, attendez, je vais utiliser le tire-bouchon sur la trappe pour pouvoir ouvrir. Voilà, une échelle qui descend sous-sol. Et on va trouver le mec. Bonjour. Ah, des bouteilles. Des bouteilles du pinard. Il y a beaucoup de vin, juste pour un seul gars. Ah, il y a une bouteille qui manque, là. Intéressant. C'est fermé? Ah oui. Il a l'air très solide. Ah. Percer la gueule. C'est quoi, c'est le plan, ça? Faire les plans de la maison avec plein de notes manuscrites, on dirait que Lambert a prévu beaucoup de rénovations. Et un peu par là, on va se faire tirer sur la gueule. Ah, la machine à voyager dans le temps. La poulette. Qu'est-ce qu'on a là? Déjà pleine de pièces électroniques. Très bien. Fouille la poubelle, toujours intéressant de poubelle. La vache, je travaille là-dedans depuis trop longtemps. Dès que je passe à côté d'une poubelle, je peux pas m'empêcher d'ouvrir en voir si elle a besoin de vider. Ah oui, c'est drôle. Effectivement. Je suppose que là, je pense que le mec il travaille trop. Ce sont les plans de la machine originale dans le temps, c'est pas que je comprends ce que je vois, c'est juste que c'est écrit dessus, ouais. Très scientifique. Ah, on va éteindre la lumière, non? Il y a quoi ça sert? Bon, c'est bien. Une lampe. C'est une lampe de bureau normal. Ah bah, merde. J'ai cru que. J'y croyais. J'ai jamais rien vu de tel, on dirait une cloche de plongée ou un sous-marin. Mais sans panneau. Ok. Plein de grands mots et de nombres dessus, mais les dessins sont très cool. Alors, il y a une ampoule. Donc du coup, on va utiliser ça, je pense, quelque part. Là-haut, je crois qu'il y a un... Il n'y a pas une ampoule. Non, on peut pas mettre d'ampoule ici. Est-ce qu'on peut bouger le piano? Non. La bouteille, je peux pas la reprendre, hein, non. Il n'y a pas un truc de l'autre côté, attendez. Attendez, est-ce qu'il y a un truc de l'autre côté? Oh, j'ai pas été de ma mort sur cette porte. Ah, je peux pas ressortir, merde. Tout ce que je vais traverser par ici, c'est que j'ai envie d'en sortir. Et puis crocodile, hein. Puis crocodile. Ah, il y a encore un truc là. C'est une peinture avec des cubes empilés. Je n'arrive pas à dire lequel est au-dessus. Ils le sont tous, on dirait. Hey. Hey. Donc, il y a un truc qui doit nous perturber là. Horloge étoile. Il me dit pour l'horloge étoile, il me dit quelque chose, je crois, non? Ce type a vraiment du goût. Ah, d'accord. Très bien. On peut rien faire. C'est vraiment sous-sol, il y a un truc à faire. Je vais mettre l'ampoule là. Quoi? Quoi? Elle a pas l'air très solide, ouais, ok, d'accord, mais tu fais comment pour la péter là? Je vais la péter la porte.
Yes, we can say ici. Alors attendez, est-ce qu'il y a un truc spécifique? Plan. Nombre de bureaux. Engin sphérique. Poubelle. Étagère. J'ai rien du tout. Je fais quoi cette putain de lampe? Ampoule de bronzage en plus. Ah mais attends, j'utilise l'ampoule. Je pense qu'il y a besoin de plus qu'une ampoule. Ah merde. Ok. Engin sphérique, il n'y a rien de particulier dessus. Bon, c'est ailleurs. Il y a un autre truc à faire ailleurs. Faire ailleurs. Là, la porte, elle s'ouvre. Hein. On voit bien une trace, là. Ah, mais attends, faut que je regarde Marco sur le sol. Ah oui, je suis bête. Non, je peux pas deviner. Il y a beaucoup de rayures. J'imagine l'envers ne savait pas comment décorer cet endroit. Non, mais t'es con, quoi. T'es con. Étagère. Il y a un truc dans l'étagère, non? C'était déjà très lourd, à part si Lambert était beaucoup plus grand quand il était jeune, je vois pas comment il a pu déplacer ce meuble tout seul. Parce qu'il a pas déplacé tout seul, on voit bien une porte derrière. Merde, je peux pas prendre une bouteille là, puis la foutre là. Ou il y a un truc ici. Il manque une bouteille ici. Oui, ça je suis d'accord. Il y a une bouteille là-haut. Mais je pense pas qu'il faut mettre la bouteille pour que ça s'ouvre. C'est un peu con. On est d'accord. On va aller par là. Attendez, le feu. Il y a un truc avec le feu. Le feu, ça brûle. Ou c'est chaud. On est d'accord. Ou c'est chaud. C'est que là, la bouteille, je peux pas la prendre. Petite étagère. Grande étagère. Physique appliquée, machin. Ok. Là, on n'a rien dans la bibliothèque. Des tas de livres. C'est très classe. Bah, je ne sais pas ce qu'il faut. Attendez. Je suppose qu'il y a le nombre de bronzage à mettre qui part. Ça va pas grand chose en électricité, ouais. Ah, mais c'est pour recharger le bordel, là. Mais attendez, oui, mais oui. Mais oui, bien sûr. Je suis bête. Il faut que je mette... Je remplace la lampe. Ah oui, mais c'est évident. Mais c'est évident, bordel. Je suis nul. C'est une lampe de bronzage, donc c'est pour recharger notre appareil. Regardez ce qu'il va faire. Mets trop grosse pour rentrer. Merde. Merde. Merdoum. Donc c'est sur l'autre. C'est celle de l'entrée alors. C'est pas bizarre, mais pourquoi pas. Ça, je peux pas l'utiliser. Où est-ce qu'il y a une autre lampe? Ouais, mais il y a que la lampe à l'entrée. Hein. Ok, j'étais bien parti dessus. Ouais, plus grosse. Ouf, de Dieu. Là, je peux changer. Ah, vache. Il s'en est passé des choses. Il y a une hache dedans, par contre, j'arrive pas à l'atteindre. La plante grimpante, son costaud. Ah, merde. Je peux ressortir, par contre. Le crocodile, il est plus là. Sûrement, bien. D'accord. Ça, c'est fermé. Voilà, donc du coup, on change. Clac. Ah putain, il s'en est passé des choses en 24 heures. C'est quoi ça? Baril? C'est de l'eau? Ah, des fraises. Non, des légumes. Ah, une branche. Un cul. Je peux utiliser la branche pour attraper le... Terre surélevée, d'accord, on s'en fout, c'est la merde. Attends, pourquoi on voit ça là? Les mecs, ils ont construit des trucs en 24 heures, non, c'est possible, c'est un monde alternatif.
Là, on est dans le futur, donc... Vous croyez que je peux ouvrir la... Je peux pas... Plan grimpante. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais non, moi non plus, je vais pas du tout. Je ne vois pas du tout ce que je pourrais faire. Il y a une hache là-dedans, par contre, j'arrive pas à l'atteindre, ces plantes sont trop costaudes. Costaudes! Elles sont costaudes. Ok. Ok, Google. Donc, on va faire un truc. Retournez par là. On va redescendre. On va changer d'époque. Parce que c'est cool de changer d'époque. Moi, je dis que c'est cool. Ah mais putain, ça a carrément changé. Bonjour. Toujours fermé. Toujours fermé. Horloge. Ainsi maintenant, j'imagine que Lambert a fait quelques travaux par ici. Ouais, mais moi j'ai un appareil pour voyager dans le temps. C'est cool. Hé hey, hé hey. Mais c'est quoi ce bordel? C'est pas le même jour. Ah, quoi là-dedans? Plein de pétrole. Étant donné le nombre de fois où j'ai gardé la vie grâce à des trucs que j'avais sur moi ces derniers temps, les dernières choses que je veux, c'est les mains toutes grasses. C'est sûr. Wow, c'est vraiment quelque chose ce machin. Dans tous ces plans, c'est la première version de la machine où j'ai dans le temps de Lambert. Elle a l'air totalement abandonnée par contre. Ouais, je suis d'accord. Version 2, ce plan est très compliqué, mais son contour ressemble beaucoup à mon dispositif temporel. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ce mensonge. Ce sont les plans d'un grand bâtiment. Attends un peu, je le reconnais, c'est là où je travaille, c'est Archon. Archon. Con. Archon, moi. Archon. Ok, extincteur. Je sais pas ce qu'on peut en foutre d'extincteur, mais ça peut être utile. Ça peut être utile. On va défoncer la porte avec l'extincteur. Non, même pas. Avec la branche. Non plus. L'extincteur sur le trou. Non. Branche. C'est moche. Ça marche pas. C'est moche. C'est moche ma connerie, là. J'ai quoi? Artère surélevée. Artère cheminée. Qu'est-ce qu'il y a dans la cheminée? Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée, on dirait. Y a rien, hein, par le baril, là. C'est un baril vide. Ok. On l'a. Oh, c'est con, si j'utilise extincteur sur les plantes... Non, c'est complètement con, oui. On est d'accord. Par contre, je peux éteindre le feu. Que je viens d'allumer. Est-ce que c'est utile? Ah, elle n'a plus d'eau. Ah, mais attendez. Parce qu'il faut le remplir d'eau. Voilà. Tac. Je sais pas pourquoi faut que j'éteigne le feu, hein, mais bon. Je vais éteindre le feu, hein. Juste à faire chaud aussi, je peux pas essayer d'éteindre le feu. Ah merde. Ah mais attends, je mets du produit dedans. Attendez, il y a des produits de merde là. Hop. Le pétrole par exemple. Mettre du pétrole dedans. Mettre du pétrole. Est-ce que je peux mettre du pétrole dans l'extincteur? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Si le baril s'enflamme, il faudra bien. Plus que ce ridicule. Ce truc ridicule pour l'éteindre. D'accord. Donc du coup, ça servait à rien. Ok. Ah, la branche est recouverte de pétrole maintenant. Ah, on va brûler les branches. Mon dieu. Je viens de comprendre. Voilà, j'ai une branche enflammée dans la poche. Tout est normal. Tout est normal. Tout est normal, mon colonel.
Hop, et je brûle les plantes grimpantes. Ah, vite. J'éteins. C'était au pétrole, bien sûr. J'ai éteint avec de l'eau. Ça fait logique. C'est coincé, mais je l'ai. Mais je l'ai. Alors, du coup, on va changer d'époque. On va descendre, on va péter la porte. Puisqu'il faut qu'on aille péter la porte. Hein. C'est... Je crois que c'est ça le but du jeu. On va aller casser la gueule à la porte. Très important. Très important. Cassage de gueule. Voilà. J'ai perdu la hache. Allez, c'est vraiment des haches plastiques. Ah ! J'ai tué ton pote. Quelqu'un s'occupe bien de ce poisson Lambert et est dans le coin, c'est sûr. Ah, il y a de la valampe. Dieu. J'adore ces machins, moi aussi. C'est cool. Peu importe combien de fois je suis sur ce chemin, ça se termine toujours au même endroit. Bah oui, ça tourne en rond. Joli. Il n'y a rien à part la lavalampe. Plusieurs cas ici, 11 mars 71, j'ai préparé un carnet pour documenter mes recherches. Si quelque chose m'arrive et que quelqu'un le trouve, il pourra continuer mes travaux. Ah. C'est cool. Mais je peux pas le prendre. C'est moche. Ah, attendez. Je vais prendre la lavalampe, je vais la mettre là. Non, c'est complètement con. merde. La lampe, qu'est-ce qu'on peut faire avec la lampe? Il y a une prise quelque part, faut mettre sur une prise. Lave à lampe. C'est quoi les signes? Les mêmes plans, ok. Place de la lampe là, t'es en train de rigoler. Non, ça marche pas. Je peux pas atteindre la prise. Ah, c'est moche. C'est ailleurs. J'ai raté quelque chose là. J'ai raté une bouteille. Ça se trouve pour une bouteille. Ce bruit de. D'aquarium là. Globe. Ah. Je suis pas astronome, mais je suis à peu près sûr que c'est la Lune. Ah oui, effectivement. Quoi? Quoi la Lune? Ah bah attendez, je suis débile. Je fais ça. Voilà. Quelle nouille. Il y a encore du courant? Ah oui, il y a encore du courant. Hop, une bouteille de vin. Magnifique. Moi, je crois que c'est les bouteilles de vin, n'est pas en verre. Ah. Ah. C'est absolument grincheux, mais si je vais dormir toutes les nuits dans un lit aussi dur. Ok, donc du coup, on revient là. On va mettre la bouteille qui manque, puisqu'il y a une bouteille qui manque dans le truc. Voilà. Et là, ça va ouvrir. Ah ! C'est beau. Merde. Stop. Vite. Right. There. Stop. Whoa, wait. Mr. Lambert, sir, it's me, Joe. It's me. Ouais, mais bon. I don't know you. What are you doing in my house? You sent me here. Mais là, je peux pas de se souvenir, c'est dans le futur. Les deux cons. No such thing. C'est pas très malin pour un intrus. Avec tout le bruit que vous avez fait pour rentrer, vous auriez pu aussi utiliser un bulldozer. You might as well have brought a bulldozer. Bulldozer. Now. Vous avez exactly maintenant 5 secondes pour expliquer ce que vous faites. Oh putain, 5 secondes! Oh la vache! Vous étiez sur les toilettes, vous avez glissé, vous êtes tombé, vous avez vu le. I was sent here. Four. By you. Mais monte le machin, bordel, connard! You told me to find you, to warn you about the end of the world. Non, on peut pas. You were old, il y a des cheveux blancs et on vous a tiré dessus. Mon Dieu, tirez pas, monsieur Lambert. God, please don't shoot me, Mr. Lambert. This, you gave me this. Enfin. It's an inter something chrono. It's a time machine. Chrono, c'est un trop truc. I gave you that. Yes. Il me l'a piqué. I've never seen anything like it,
but on the back, that's my construit ça est magnifique. I made this. It's simply magnificent. Bon, apparemment, ce n'est pas nous, hein? Why? Who are you? Pourquoi, qui êtes-vous? Name's Joe, sir. I'm just a janitor at the Archon building. I found you in a room with a big round door in the basement labs in the basement labs this morning. Du futur dans 40 ans. You were dying. Pour empêcher la fin du monde. You said you'd come from 40 years in the future to stop the. Et il y a un vigile du parking qui vous a tiré dessus. I guess I was the only one around. Que moi, du coup, m'avait donné ça et m'avait demandé de vous retrouver, de tout vous raconter. I've been there. Quand il est de retour à le futur. Future, I mean. Bien passé. Le futur, du passé présent. You're right, Mr. Lambert. Everyone's gone. My God, so it did come to pass. They really did it, those greedy bastards. Allez, salauds. I told them this would happen. Wait. J'étais en train de mourir. Hein, quoi? C'est pas bien, ça. L'autre, t'es en train de mourir. Said you've been shot. J'avais dit qu'on avait tiré dessus. J'ai dû retrouver votre corps à la morgue pour retrouver votre adresse. Oui, putain. Shot? By whom? No, wait. Don't say anything else. Ah, si elle m'a retrouvé, ce qui veut dire que tout ce que vous pourriez me raconter maintenant pourrait altérer le cours des événements. Attention, un paradoxe temporel. Moi j'en sais, mieux c'est. Mais comme ça, vous avez été dans le futur? Qu'avez-vous vu? Oh putain, le bordel. C'est comme un cauchemar, monsieur. Il ne reste rien. Les bâtiments tombent en ruine, tout est très calme. Alors, c'est 40 ans pile poil, hein. 17 mai. What happened, Mr. Lambert? Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Lambert? It is Doctor Lambert. Docteur, parce que déjà, t'appelles pas Christophe, hein, déjà. Tout pourri mon film. Compte tenu que tous les efforts vous avez fournis pour vous sauver, sans oublier les horribles conséquences de la grande percée scientifique, j'imagine que je vous dois bien une explication. Ah, un petit verre aussi? Petit café? Ah, un chat. Ah, il s'est passé quoi? J'ai 24 ans, j'ai été engagé par Archon, ou Athéna comme on l'appelait alors. Athéna était l'une de ces nombreuses entreprises de recherche et développement qui ont été fondées pendant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux autres qui se sont reconvertis après la guerre, Athéna se faisait suffisamment d'argent pour continuer à rechercher le prochain Saint Graal technologie de défense. Ah, voyage dans le temps, certainement. Non, la téléportation. C'est quoi? Les dirigeants ont fait le pari que l'expansion soviétique allait faire grimper la paranoïa gouvernementale, oui. Guerre froide, oui. Et créer un marché lucratif pour les recherches d'armes plus spéciales. Ils ont réussi leur pari. Yaouche! Que j'ai en 61, alors j'étais encore physicien théorique au MIT. Ma thèse sur la possibilité du voyage temporel via les membranes dimensionnelles est parue peu de temps après. Putain, les patrons de la compagnie étaient tellement impressionnés qu'ils m'ont fourni une équipe et un budget. Nos résultats ont dépassé mes attentes. Et après seulement 6 ans, nous avions une première version de la machine à voyager dans le temps. C'était une bulle. C'était une boule géante, hein. Avec un chat dedans. C'est magnifique. Alors, déjà les mecs qui clopent comme des zappeurs. Pour nos premiers essais, nous avons envoyé des objets simples dans le futur et réglé la machine pour un retour automatique. Les résultats positifs ont permis à la compagnie de signer. Ah, ça fait penser au roman de Crichton, là. Les voyageurs du temps. Ouais, prisonniers du temps. Apparemment, on avait réussi à les convaincre de cette technologie qui pourrait servir à voyager dans le passé et étouffer le communisme dans l'œuf. Ah ouais. L'entendu, ça s'avérait impossible. Les lois de la causalité font qu'il est impossible de voyager plus loin dans le passé que le moment précis où le voyage dans le temps a été inventé. Ah oui, d'accord. Tôt ou tard, il fallait pouvoir expliquer cela à qui finançait. Si on commençait à réclamer des comptes, la direction tout avoué, mais a réussi à calmer le gouvernement en prétendant que le voyage dans le temps pourrait servir à ramener des armes avancées provenant du futur. Ah oui, j'aime bien le petit blocage. À ce stade, nous avions déjà fait nos premiers essais humains et nous savions qu'aucune nouvelle arme ne serait inventée. En fait, nos résultats étaient aussi terrifiants que surprenants. Les pilotes temporels qui revenaient étaient totalement frénétiques et déliraient au sujet de rues pleines de squelettes. Ok.
Au départ, on a pensé que la ville avait subi une attaque soviétique dans un futur proche et qu'elle avait été évacuée. Et qu'ensuite, que la terrible réalité est devenue claire. Mais oui, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je veux savoir. Les pilotes temporels revenaient tous mortellement malades. Ils mouraient après un ou deux jours à la suite de convulsions très douloureuses. Certains ne sont jamais revenus. Nous avons perdu dans le futur plusieurs pilotes, ainsi que le prototype des machines et d'autres équipements. Ah, mais nous, on est dans le futur, non? On va crever? Dans la première contamination s'est produite dans le laboratoire, nous avons été pris au dépourvu. Les trois laborantins sont morts. Plus tard, nous avons identifié le coupable, un virus aéroporté incroyablement agressif. C'est le Covid. C'est le Covid, les gars. Et nous, on va dans le futur tranquillou. Nous n'étions pas équipés pour gérer de tels risques biologiques, mais la direction a insisté pour qu'on la contienne et l'on l'étudie. Ah ah! Pour garder le pilote et le virus en sécurité suffisamment longtemps pour pouvoir être étudié, nous avons utilisé la technologie cryogénique expérimentale d'un autre projet appelé Lazare. Nous avons établi un laboratoire d'analyse de virus. Bon, bah ok, d'accord, donc... L'histoire du virus, quoi. Une fois encore, la direction a réussi à faire passer nos échecs pour des réussites. Proclamer un département de la défense que le virus pourrait être utilisé comme bombe biologique. Oh non! Oh les mecs. L'équipe a alors menacé de démissionner, mais l'indignation a été rapidement étouffée dans l'œuf par des promesses, d'énormes hausses de salaire et de remises de stock options. Ah bah oui, bah, ça, du coup, j'ai refusé ce pot de vin, j'avais été un témoin de premier plan de l'efficacité mortelle du virus. Je savais bien que ça se terminerait mal, donc donner ma démission. Ensuite, je suis installé ici, ça fait plus d'un an, que je tente de recréer la technologie pour revenir dans le temps et pour empêcher la disparition de l'humanité. C'est chaud. Et chaud patate son truc là. Ouais, donc du coup, c'est encore une histoire de virus. Merde. Et vous voilà, le prophète du malheur à ma porte, dans un uniforme de concierge. C'est sûr que c'est... J'aurais cru que le jugement dernier aurait lieu en mai, un lundi, comme tous les autres lundis. Eh ouais. Moche. Bref, peu importe, tous nos efforts pour arriver jusqu'à moi, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Savoir n'est pas suffisant, il faudra plus que de la ténacité pour empêcher l'épidémie. La pandémie même. Mais pourquoi? J'ai bien peur de me reposer sur vous à nouveau. Vous devez retourner à Arcon et empêcher l'épidémie de se produire. Ah! Non, c'est un honneur et tout ça, et tout, mais... Et moi, vous êtes la dernière personne au monde, littéralement, à qui je voudrais confier cette responsabilité. Ouais, je préférais Boussoulis, mais bon, il est occupé. Alors, demain, la ville tout entière aura succombé au chaos, à la panique et à la mort. Vous êtes ici maintenant, vous êtes tous que j'ai. On est dans le caca, quand même, hein. Mais et vous pouvez pas vous occuper, C'est pas plan. Je peux pas y aller moi-même, ça enfreindrait les lois de la causalité. Vous n'êtes ici que pour prévenir que parce que je vous ai envoyé. Et si j'étais présent à Arcon pour vous envoyer, c'est seulement parce que j'ai fini par réussir mon travail en solitaire dans cette maison. Il faut que je le finisse, bien sûr. Sinon, mec, je peux pas retourner dans le passé, machin, milieu. On n'a pas le temps à perdre, c'est le seul moyen. Vous dites m'avoir trouvé ce matin, c'est bien ça? Ouais. Ok, bah vous repartez ce matin, ça veut dire que j'ai échoué et l'épidémie a commencé. Le pilote temporel des essais d'aujourd'hui a sûrement rapporté le virus du futur. Et il a dû ensuite s'échapper de la chambre de confinement. Ce pilote est le patient zéro. Patient zero. Il faut détruire le superordinateur qui contrôle la machine à voyager dans le temps. Toutes les données de recherche sont stockées, vous devez le détruire avant le départ de la machine. Mais putain, on y était tout à l'heure, hein, tripoté dessus là. Je vais reconfigurer votre appareil pour qu'il vous envoie la veille. Cela devrait vous donner suffisamment de temps pour venir à Arcon et pénétrer dans le bâtiment. Ah ouais. Sur l'autre rive, à environ 500 mètres sur la route, se trouve une aire de repos. Vous y trouverez un van plein d'essence et prêt à partir. J'ai déjà une voiture. Qui ne sera pas là hier, imbécile, arrêtez de m'interrompre. Mais t'es con, elle sera plus là. Une dernière chose, c'est très très important. Vous ne devez en aucune circonstance rencontrer votre version antérieure. Ah ouais, chaud. Sinon ça fait rien de passer sur pas d'âge temporel et tout. Personne ne le sait, c'est un des paradoxes qui n'ont jamais été testés. Il y a des théories bien sûr, mais aucune n'est agréable. Bah oui, l'univers va exploser quoi, c'est ça. Et pas, il y a un documentaire qui s'appelait Retour vers le futur. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Ah, c'est cool, hein. Merci, monsieur. T'en as des nouvelles comme ça? Et on repart avec, avec la camionnette. C'est génial. Ouf. Mais comment suis-je tombé dans ce pétrin? J'ai fait me faire tuer pour rencontrer le docteur Lambert. Je pensais qu'il... Oui, d'accord, mais... Il se trouve que c'est moi, je suis le plan. Et oui, moi j'ai pas à rentrer en marchant. Le van n'est pas aussi cool que l'ambulance, mais il a son charme. Et puis, c'était gentil de me préparer à manger pour la route. Petit sandwich. J'aurais bien aimé avoir une ouvre-boîte pour les haricots, par contre. Et du gaz pour le brûleur benzène, ouais. Et du coup, ben, je suis sûr que j'arriverai à me débrouiller. J'ai plusieurs heures de voiture devant moi. Après tout, ce sera presque le matin quand j'arriverai à Arcon. J'espère juste avoir assez de temps. Donc là, on est revenu la veille. Donc on a pris la camionnette. Ah ouais, d'accord. Je mets des sous dans le parc-mètre. Franck disait toujours comment ces machins volent et trichent autant que qu'un de ses oncles, ça me rend presque content de ne pas avoir de voiture pour venir travailler. Il y a un truc là. Oh, il y a un nightclub. Attendez, je suis... Ah, attendez. Là, il y a quoi? Entrée principale d'Arcon. J'ai pas carte d'accès, il faut un code. Ah, merde. On va passer par le nightclub, hein. Un verre, c'est cool. Ah, j'ai une pièce, une petite piécette. Attendez, une petite piécette, je vais mettre dans le parc-mètre parce que je sens que je vais faire baiser. Je le sens bien. On peut utiliser la nuit, pas besoin de ça. Ah, d'accord, ok. Non, pourquoi? Non, parce que j'ai le coup fatal, tu sors du bâtiment, t'as plus de bagnole. Hein. C'est quoi ça? Interrupteur. Enfin, la fumée. Hey, don't you be touching that. Sorry. Oh. Just look. Ah, j'aime bien tripoter les boutons, moi. C'est cool. Right on time. Bienvenue dans le bar le plus branché de la ville, mec. On est tellement underground qu'on est carrément 4 marches sous le macadam. Oh, qu'est-ce que tu veux? Ouais, on est tellement underground. En fait, j'ai un vol panneau. Je sais pas vraiment ce que je fais ici. Sauf que si, t'es là parce que t'as entendu du bien de cet endroit. T'as bien entendu, mec. Ici, c'est tellement groovy qu'à côté, le Studio 54 ressemble à un camp de régime pour gros hors saison. Ouais, le Studio 54, mort de rire. C'est un peu vide. On a ouvert il y a quoi, 5 minutes? Ils arrivent tous, t'inquiète. T'auras des donzelles jusqu'au genou. Maintenant qu'il faut le dire, professeur. Là, de la gonzesse partout, je te le dis. Bon, qu'est-ce que ce bon vieux Cédric peut t'offrir? Je sais pas, une bière? Beer. Tu fous la honte, hein? Ouais, je vais prendre un génie sans bouillir. J'ai une maîtrise en Insiste en plus, bon d'accord. Vu que t'es le premier client de la soirée, je veux bien te servir une bière. Ça te coûtera $1. $1. Je ne sentais pas quand tu disais que c'était un bar classe. Pas la bière, lui. Oh, la bière. Écoute, petit, il n'y a pas d'arnaque, c'est juste que cet établissement vise une clientèle qui a de la... plus haute exigence, ouais. Et puis en plus, on est habillé en... en bleu. Je suis pas bête, je sais ce que c'est vide. C'est très bien, je t'ai déjà dit, on vient juste d'ouvrir. Bon, et cette bière, tu la payes quand? Oui, il va s'énerver, lui, putain. Je vais prendre ma bière. Je vais prendre ma bière, là, parce que... Oh, j'ai laissé mon portefeuille dans ma veste. Je reviens tout de suite. Ah, merde. Oh, l'excuse à 2 balles. Attends. Je peux pas... file la pièce. 60 cents. Il manque toujours 75 cents. Ah merde. 25 cents. Quelle horreur. Attends, je vais chercher. De la monnaie. Je vais taper dans la gueule du truc là. Il y a des sous là-dedans. Monsieur avale pièce. On peut aller dans le véhicule. Ah, on peut aller dans la voiture. Le moteur est toujours chaud. On se casse. Voici que l'ambulance, mais il a son charme. Ok, mais je fais quoi là? Ils sont gentils. Principal.
Entrée principale. On peut pas rentrer ? Fermé pour la nuit, ils ont des gardes de nuit, mais personne n'a le droit d'entrer après la fermeture. Ah, mais... Comment qu'on fait ? Ah, mais attendez. Je change d'époque ? Ben oui. Que je suis bête. Je ramasse les sous. Et voilà. Je suis blindé de thunes. Attends, 40 ans après, il y a encore la bagnole. Sous ma gueule, quoi. Il y a un problème, quand même. Il y a un problème. Viens là. Tac. Est-ce que ça marche ici, tiens ? On va rigoler deux secondes. Ah ! Il est plus là ! Oh, ici, il est là. La vache. Burk, c'est une personne. Enfin, c'était une personne. C'est quoi, un câble ? Je peux pas être occulté, là. La flotte. Câble épais et lourd, il paraît utile. Ah non, d'accord, ok. Je trouve que c'était un... Je vais me détrocuter comme une merde. Porte, ok. Bonjour. 50 cents. Ah, je suis pas dans la merde. Il va se foutre de ma gueule. Il va se foutre de ma gueule. Non, c'est bon. Je vais attaquer avec la corde. Je peux pas, merde. Hop, je disparais devant lui. Et hop. Ok. Je peux pas déboucher le machin. Ce serait cool. C'est une porte. Des cadavres. J'ai utilisé la corde sur le cadavre. J'y arrive pas. Merde. Je peux pas sortir là. La porte est fermée, non, bien sûr. Ok, on sort. Utiliser. Watch day, j'ai utilisé la corde sur les. Aux impôts. Il y a un autre truc que j'ai pas vu, certainement. Parcmètre. Ah, mais j'ai récupéré la thune. Il y a encore de la thune ou pas dedans ? Ah, mais attendez, il y a un trou là ? Il y a un trou dans le sol, merde, attendez. Je vais mettre la corde sur le parcmètre. Et hop, et je descends. Oh là là. Trop fort. Trop fort. Que pas de la thune là, non ? Des années qui ne marchent plus. On va voir ce qui se passe. On va se attaquer par un zombie. Je crois qu'il y a un mec qui est là. J'arrive jamais à me tuer. Ventilation. Il n'est pas si solidement attaché maintenant que les écrous sont rouillés. Les écrous sont rouillés, oui. Et si je change là. Ah bah c'est lui, bah putain il est mort en 40 ans, il est mort d'un coup. Mission de métro. Chapeau. Je vais balancer les pièces dans le chapeau. On doit les donner mais j'ai besoin pour ma mission. Oui. Pas faux. Alimenter le chalumeau dans la rame. Et là le téléphone public, on peut payer quelqu'un. Il manque plus qu'une pièce pour faire un dollar. Ah ouais. On récupère juste pour la bière, la putain de bière. Michel. À cause de Michel. Il est occupé. Ok, je prends son truc. Sir, would you vous écartez, monsieur, c'est dangereux. Hein. Ouais, je suis plus comme toi. Travaille. Travaille, mec. Sir, please. Dégagez. Get away from there. I mean it. Ouais, attends, on va jeter des pièces là-haut. Moi, attends. Attends, on va rigoler deux secondes. On va débrancher son truc là. Tu peux débrancher son machin là. Non, tu peux pas. Bon, alors on va faire un truc, c'est qu'on va récupérer son machin. On va passer dans le futur. Hop là, bonjour. Ah merde. Mais c'est bordel ici, rayon de lumière. Oh, c'est plutôt lumineux ici. Si je pouvais trouver quelque chose pour diffuser cette lumière, peut-être que je pourrais voir le reste du wagon. Ah, un bout de miroir ou un truc là. C'est verrouillé. Attends, où est-ce que je peux trouver un truc là ? Il est cassé la gueule lui. Il y a sur lui un courant d'air, je peux entendre un gros bourdonnement à l'intérieur. Bon. Lui. On dirait bien un vétéran, je crois qu'il est aveugle. Ah super, bon, il piquait ses pièces alors. Voilà un vétéran aveugle, j'ai peut-être plusieurs trucs un peu louches pour le bien de l'humanité ces temps-ci, mais j'ai des limites. Merde.
Ah bah zut, elle était aveugle, fallait en profiter. Oh là là. Il a raté quelque chose. Ah, je peux y piquer. Plus besoin. J'ai sûrement gagné, j'ai tout un dollar maintenant. Putain, c'est salaud. Ah, il est mort. C'est bon, hein, il a plus besoin. Je suis d'accord, on est d'accord. Oh, le truc débile. Allez, on revient dans le passé. Oh, dans le présent. Qui est notre présent. Allez. Change d'avis, fais-moi un cocktail plus chic possible pour un dollar. Allez, vas-y. Défi, hein, ça marche. Prépare-toi à être ébloui. Parti, une lave bouillante et boueuse de luxe avec glaçage arc-en-ciel secoué et non remué. Profitez pour appuyer sur le bouton. Récupérer avant qu'il me voie. Attrapé par la police, pour ça je vais aller directement en prison sans procès. Je préférerais pas s'expliquer pourquoi j'ai voulu la voler. Pourquoi vous avez volé une boule à vassette, vous l'expliquez? Oui, papillon, c'est Paul Kirt, ton papa, là. Bon, ils sont où les autres cailles? Ah oui. Ah, c'est du super cocktail qu'il nous fait, là. Boisson extravagante. Delicious. Vache, c'est comme si l'univers avait été révélé tous ses secrets dans ma bouche. Et c'est beau, hein. Ça fait envie. Ça fait envie, mec. Tiens, je reprends une autre gorgée. Mais bon, c'était bon. Mon Dieu, c'est comme être dans un sidecar avec une licorne qui conduit sa moto dans une montagne de... sur une montagne de pulls de en cachemire. Vache. Ouais. Mais ne pas appuyer sur ce bouton. Ah non, mais non, là, s'ils ne voulaient pas que les gens appuient sur ce bouton, pourquoi ils ont mis ce panneau? C'est pas faux. Ce n'est pas faux. Allez, on va prendre la boule à facette parce que on va aller éclairer l'intérieur de la rame. Je rechange d'époque. Tac, je rentre. Hop, je rechange d'époque. Je prends la boule à facette dans le rayon de lumière. Et là, j'ai un tournevis. C'est beau. C'est juste pour récupérer le tournevis. Oh, mon Dieu. Dis-moi. Du coup, je vais pouvoir les démonter. Alors, je crois que ça marche pas. Il faut que ça soit la version rouillée, je pense. Votre bol est fixé avec un mur et des écrous. Seulement la fille. Ah oui. Bah, attends, je vais faire ça. Hop. Et là, je peux passer dans le trou. Ah non, je passe pas là. Je passe pas. La mouillade du ventilateur, des trucs toxiques dans l'eau, même si je pouvais passer sous l'eau, je ne risquerais pas. Ah merde. Vraiment, si j'en mets là, j'ai plus le panneau là. Vas-y, le panneau est toujours là, je veux dire. Il faut toujours un truc pour débloquer le... J'ai raté quelque chose là-dedans. J'ai raté quelque chose. Non, j'ai raté du tout. Là, je peux pas le piquer. Génératrice. Bah oui, mais si j'arrête. Le câble. C'est le câble d'alimentation. Ça, j'ai compris. J'arrive à y pourrir le truc, là. Piquer sa clé à molette. Comment je peux faire ? Alimenter chez nous dans la rame. Rien. Juste le câble. Dans le van, il y a quelque chose, il reste pas grand chose. Bon,
Ça c'est fermé apparemment. Archon, le H il est par terre mais ça peut nous être utile. Ah il y a un tas carbonisé. Un gros tas de dossiers imprimés carbonisés, plusieurs tiroirs de papier, on dirait certaines pages sont encore lisibles. 21 octobre 1971, on a perdu Friedman. Aujourd'hui, la seule chose encore plus alarmante pour la vitesse d'incubation de l'agent pathogène et à quel point la dévastation du corps humain est rapide sous son action. C'est véritablement horrible à contempler. C'est un truc de zombie, quoi. Tout a aussi imprimé, certaines pages encore lisibles. C'est la même chose, ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, c'est fermé. The Néon Zone. Bon, je peux rien faire, là. À part retourner dans la boîte. Qu'est-ce que je peux faire dans la boîte? Je récupère juste la facette. Barman, est-ce qu'il me dit quelque chose d'autre? Pour quelqu'un qui vient juste de vivre la plus grande révolution gustative, t'as l'air vachement troublé, tu sais. À quoi tu penses, mon pote? On dirait que le monde entier repose sur tes épaules. Ah, c'est pas faux. Un peu ça, il repose sur mes épaules. C'est moche. Et si j'échoue, c'est la fin, tu vois. Champion. Mais qu'est-ce qu'on est con, putain. Tu demandes sûrement combien de fois dois-je encore essayer? Quand vais-je enfin réussir? Quand pourrais-je enfin ouvrir la cage de mon lion intérieur? Est-ce que je me souviens seulement encore comment faire? Tu penses que... Ah, c'est juste un mauvais moment à passer, c'est pas la fin du monde. Ouais, non. Pense au 505, mon vieux, t'inquiète pas, dès que les poupées arrivent ce soir, tu restes au bar et tu commandes, je te couvre. Ce soir, c'est le grand soir, crois-moi sur parole. Ce soir, ça va niquer. Non mais c'est pas ça le problème, monsieur. En fait, faut que je te demande, c'est quoi ces fringues? Je crois que j'avais rien vu tel dans toutes mes soirées en ville. C'est peut-être temps que tu t'inquiètes, hein. Ah ben, je vais directement du boulot, du coup. Je suis tellement pressé. J'aime ça, champion. Continue comme ça, tu vas peut-être lancer la mode. Ouais. J'ai appuyé sur le bouton ici, dit rien. Ouais. Bon, y a rien d'autre à faire avec lui, on dirait. Moche. Ah mais attendez, flotte, machin, un truc avec la flotte ici, hein. Là on est dans la flotte, non y a rien, y a juste le cadavre là, on peut pas ouvrir le truc là, ça aurait été trop simple, y a rien du tout, ok, ici y a que dalle, tas carbonisé, panneau, digicode. Ah, c'est panneau, ils appellent ça. J'ai oublié, électricité, dépôt d'électricité. Bien bizarre, maintenant. Non, tu crois? Parcmètre. Van, on peut rien faire. Non, il y a vraiment que... Non, je sais pas ce qu'il faut faire, là. Ça me vient pas... Ça me saute pas aux yeux, le truc. Là, il n'y a rien. Là, il y a de la flotte, on dirait, ouais. Et bon, il n'y a pas d'argent dans le chapeau, mais j'ai quand même honte d'avoir regardé. J'ai quand même honte d'avoir regardé. Ah, les réflexions, c'est drôle, des fois. Zone inaccessible. Gros ventilateur. Ah mais putain j'ai pas vu là, il y a une vanne. Je peux pas bouger, je peux pas passer à travers, je pourrais peut-être dans la vanne. Elle est bloquée? Ah non. J'entends de l'eau s'écouler dans les tuyaux. Génial. Ah faut remonter là-haut. Putain, je suis sûr, faut remonter dans le. Dans le bar. À tous les coups. À tous les coups. Bonjour. Voilà. Et là, il n'y a plus d'eau.
Voilà. Un flingue. Super. Verrouillé, barrier tourne, il y a toutes les balles. Ah non, il y a 5 balles, une chambre vide. Ah, c'est moche. Je pense qu'il y a du fait. Il y a un trou au niveau de la tempe. Ah ouais, quand même. J'ai même pas envie d'imaginer les choses auxquelles il a été confronté. S'il a pensé que le suicide était une meilleure alternative, oui. Ouais, c'est pas faux, ça. Ah, le flingue. Qu'est-ce qu'on va faire avec le flingue? On va braquer le mec. On va braquer le mec qui est dans le... C'est ça, mort de rire. Mais comment tu peux penser ça? C'est quoi ton problème, Joe? Je sais pas. Merde. Porte. Ouais, mais... Bon. Je tire dedans. Bon. T'occupez pas sourd. T'occupez pas sourd. Bien. Je vais tirer dans le câble. Ils font du bruit. Les gens captent le bruit. Ouais. Je suis d'accord. Faut que j'arrive à utiliser quoi? Ah. C'est Tandax leur truc, hein. C'est Tandax, hein. Bah, c'est clair qu'il faut la... Il faut la clé à molette ou pas? Qu'est-ce qu'il me dit? Elle ne va pas plus loin. Si je vais tirer au pistolet, je préférerais que ce soit sur quelque chose. Ok. Un tuyau sans nom avec une veine dessus. Ah ouais. Ah ouais. Ah, y'a le mec qui est là. Hello? Is anyone in here? Oh, drat. Ah, bit. Muzzle split. Bit. I guess this gun was a bit too rusty after all. Notre pote. Je prends le fusil. Que fait ce fusil ici? C'est le fusil qui était. Boîte à outils, toujours intéressant. Un coup de câble, toujours ça à prendre. Grille. Je vais maintenant. Ah! Ah! Je trappe. On est sur l'ascenseur. Ah merde. Ah, c'est le fameux truc. Ok. On a trouvé le mec dans le. Je peux rien faire, on est d'accord? Rien faire. Ça a rien ici, je peux rien faire. Ah ouais, la trappe a été ouverte hier, là, avec du sang. Oh non. There's blood on the handle. C'est blessé. Hello? Is anyone in there? Are you hurt? Ça répond pas beaucoup, hein. Pas de réponse. Merde. Je peux pas ouvrir. C'est verrouillé. Bon, ok, je suis obligé de passer par là. Ah, mais non, je suis bête. J'ai la pince coupante. Donc, du coup, je peux retourner. Je peux retourner couper le câble. Qui est très dangereux, mais bon. Retourner le câble, couper le câble du mec pour récupérer la clé à molette. Tous les coups, c'est ça qu'on va faire. Allez, une autre mauvaise action. Essaye de comprendre pourquoi ça marche pas. Regarde, il s'énerve. J'espère que ça n'arrange pas que je lui emprunte cette clé à molette.
Ça va, mec? Vu ce que je viens de faire, je ferais mieux de ne pas attirer l'attention pour le moment. Oui, j'ai un petit peu coupé son câble. La clé à molette, la clé à molette. Qu'est-ce qu'on peut en faire, la clé à molette? Cette porte avec ça, non, c'est sûr. Donc c'est par là qu'il faut aller. Et la logique de la clé à molette, je demande pourquoi même. Et c'était le seul truc que je pouvais utiliser de toute manière. Donc, chapitre 9. Je suis au dernier étage. Non, tout en bas. C'est pas le bon ordinateur que je cherche, il est dans la pièce au bout du couloir. Ah, mais j'ai pas les badges. Puis j'ai voir le boss. Je peux remonter ? Ah merde ! Ah. Ok. Il y a quelque chose à faire. Tour de carte. Oui, je suis débile. I am débilos. Et voilà, un état qui tourne la machine. C'est ce que le docteur Lambert veut que je détruise. Attends, c'est ouvert, là. Ah ouais. Tout instantané. Pourquoi garder ça ici? Machine temporelle. Pfiou, elle est toujours là, comme l'avait dit. Alors, elle est reliée à la machine à voyager dans le temps, j'en sais pas plus. Ah, je vais prendre en photo. RAM, ok. Système memory, ok. Power, ok. Page 714, il y a ici la dernière chose que j'ai besoin, c'est une photo de la scène du crime. Ok. Attends, du coup, il y a quoi ici là? C'est fermé, c'est machin, ok. 12 de laboratoire. Ah, la blouse a été là tout à l'heure. Si je fais ça, j'ai quoi ici? Rien du tout. Ouais, aussi utile que moi qu'auparavant. C'est clair. Ah, attendez. Du coup, je peux passer la porte. Interrupteur. Je n'ai plus de pansement. Oui, mais on s'en fout, c'est ouvert. J'ai dû rater un truc là. Ah, la badge, il est là. Il n'y a plus besoin. Quel coup de bol. Attendez, je suis con quoi. Et ça, je passe. Ça marche mieux. Là-bas, il y a des gens dedans, c'est quoi, t'es quoi leur expérience? Oui, je les prends photo. On a toutes les photos qu'on prend de moi, les yeux fermés, le visage figé, dans des pressions imbéciles. Moi, je vais lui épargner cette honte. Moins 320 degrés. Fortnite. Ah oui, c'est du zéro absolu, là. Le mec est méga congelé, là. Il est congelé, les yeux ouverts. Eh ouais, comme les poissons. Poissons surgelés. Salut mec! Qui lui? C'est Franck.
Vite, par contre, j'ai trouvé un moyen dans temporaire de réparer la fuite. C'est bon. Et Franck. Au revoir, Franck. Il cherchait Franck. Lecteur rétinien. Machin n'a pas marché depuis très longtemps. Frank? Frank. Ah, qui tu veux là? J'ai pas vu. Mais c'est tellement foutu les jetons. Je suis apparu comme ça. Pof. I can't believe you're here. Pas croire que t'es là. Ils m'ont dit que t'avais démissionné. I got to go upstairs and everything. Oula. Quit? Ah ouais, il me connaît, je cherche toujours une nouvelle opportunité, j'ai reçu une autre promotion, proposition. Bien sûr, ma fille, ton travail, enfin, à peu près. Les mêmes responsabilités, en tout cas, et puis les miennes, en plus. Ah, c'est cool. C'est vrai, je suis content pour toi, Joe. Bonne chance maintenant. Tu veux bien m'excuser? Ils ont dit que tu étais déjà parti, t'as oublié quelque chose? Et qui est con. Ah, j'ai oublié que je... j'ai pas beaucoup de temps pour le moment. Listen, I'm a little tight on time here. Wait, what are you even doing down here? Qu'est-ce que tu fais ici? Well, like bien, comme je t'ai dit, on va donner ton travail, donc. Right. On peut y enfin bon, c'est pas... Dis, des laboratoires est interdit, tu devrais pas être là. Bah, toi non plus. Ouais, non, mais je sais, mais je t'ai vu, alors... Je dois y aller, allez. C'est important, quelque chose qui s'est renversé, je dois aller nettoyer. Voilà, il y a un poney qui a fait caca dans le couloir. Hey. Et si on allait se prendre une bière chez Izzy une fois que tout sera terminé cette semaine, je veux dire, un peu de compagnie me ferait du bien. Oh, c'est chaud. Allez, mec. Ah, une bière, ouais, pas de problème. Mais il s'en fout complètement. Je vais te laisser alors. J'ai regardé la poubelle, j'ai mis les poubelles. C'est cool une poubelle. Un trognon de pomme. Ok. Là, moi, je sais pas, il y a un post-it là, mais. Je vais prendre en photo. Photo instantanée de Frank. Pour être pris en photo, je l'ai pris en photo chez Izzy l'année dernière pour péter son 3e anniversaire d'entreprise. Il m'a presque cassé le poignet en arrachant la pellicule. Ah oui, merde. Martinet, Drog m'en avait parlé, ils les ont installés après l'éruption d'écologistes l'année dernière. Ah. Du coup, je vais faire quoi avec la pomme? Je mets la pomme sur le trottinien. Ça marche qu'avec les yeux. Ah oui. Effectivement. C'est que ça marche. Ça va être en turbulente. Hein. Quelque chose qui ne va pas avec ces radios, la colonne vertébrale de ce mec est toute tordue. Ses deux jambes sont cassées. Son bras gauche n'est même pas connecté à son épaule. Mais ça, c'est les voyages dans le temps, ça. Mystérieux, c'est pour aux gens. Je suis pas docteur, mais je suis à peu près sûr qu'on est censé avoir toutes ces taches blanches dans la tête. Ouais. Ouais, c'est un peu comme dans Prisonnier du temps, effectivement. Ah bah lui, toujours congelé. C'est horrible, c'est vrai qu'il n'aurait jamais pensé que ce tube serait sa tombe. L'arc. Quelque chose d'autre là un peu. Hein. Des jauges. Et des jauges. Des jauges. Il y a des jauges. Je sais pas qu'elles servent, mais je sais qu'il faudrait mieux de pas y toucher. On va sortir sur la destruction du supercalculateur. Alors, je crois qu'il faut pas mettre de liquide dessus, si je me rappelle bien. Il n'est pas liquide. Donc on va mettre du jus de pomme. Trognon de pomme. Une pomme à un ordinateur, ça n'a absolument aucun sens. C'est vrai. Drôle. C'est assez marrant. Du coup, mais je suis comment pour le détruire ce putain d'ordinateur de mes deux là. Je peux pas. Je peux pas.
C'était juste pour la blague, la pomme, là, ou quoi? Ce sont les restes d'un lambeau d'une blouse blanche. Putain, les bruits. C'était même s'il y en avait, je doute qu'il fonctionne encore après toutes ces années. Ok. Cadavre, il y a autre chose sur le cadavre, il n'y a rien. Après, c'est quelqu'un de blouse de laboratoire entre ses os, j'imagine que c'était l'un des scientifiques. Ouais. Est-ce qu'il faut que je remonte? Marcher plus longtemps. Ouais, je peux rien faire là. Là, je peux pas appuyer sur panneau de contrôle. Les portes sont déjà ouvertes. Et moi, je vais fermer. Ouais. Je vais remonter, je peux pas. Je peux plus remonter par là. Dans ce laboratoire. Ouais. Comment je fais pour détruire un ordinateur? On va lui casser la gueule. Grand processeur. Pas le bon l'ordinateur que je cherche est dans la pièce au bout du couloir. Oui, ça je sais, mais... On va y toucher, je pourrais tuer quelqu'un. Attendez, on va faire un truc. Il est vide. Je vais mettre la pomme dedans. Pourquoi la mettre dedans de toute façon? Ok. On va donner la pomme à Franck. Je pense pas qu'il apprécierait. Je peux sourire, je crois que la seule façon d'ouvrir le terminal sur le mur. Attention, il parle à Franck là. T'es occupé, je suis fermé pour le déranger. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et je prends en photo ça. J'essaie de comprendre. Hein. Prendre des photos en photo. Une idée folle. On dirait tant. Là, il y a un post-it, je sais pas ce que c'est. C'est fermé. Et c'est fermé ça, non? Un bureau vert. C'est vite, c'était vidé à la hâte. Les rails sont complètement tordus. Et on peut rien faire. La porte, elle est toujours verrouillée ou quoi? Ce bâtiment est alimenté d'électricité. Le lecteur d'empreintes rétiniennes est cassé depuis longtemps. Bon, faut que j'aille arracher les yeux à qui? C'est moche ça. Ça, c'est moche. Pourquoi il est plein? Il était pas plein tout à l'heure. Cadavre, autre cadavre. Vide. Couvert de poussière et de saleté. La fenêtre. Quoi la fenêtre? Elle est trop sale pour voir à travers. Il y a un dehors, juste un couloir vide. J'imagine que ça donne des informations sur les gens dans ces tubes. Bah ouais, mais je fais quoi avec ça? Mais la pomme, j'aurais pas m'amuser avec ça, je pourrais tuer quelqu'un par accident. C'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais je ne vois pas ce qu'il faut faire là. Il faut que je détruise l'ordinateur. Et je fais comment? Ok, change d'époque. On revient là. Il voit l'ordinateur qui est dans la machine, c'est ce que le docteur Lambert veut que je détruise. Ouais. Mais je peux faire quoi? Porte, interrupteur. Il dit, panneau dit attention, ne pas approcher de liquide. Ouais. Ça, je le sais.
Au début, c'était ça. Et quand je fais pour avoir du liquide? Je suis très con. Il y a de la flotte qui coule à un endroit. Je suis vraiment débile, hein. Faut que je mette la pomme dans le tiroir. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça, quand même. Pas de bouteille, j'ai rien. Non, pas la lumière. J'aurais la faire pousser, sinon je pouvais trouver un peu de terre. Attends. Quoi? Un peu de terre? Non, mais c'est pas possible. Faut pas retourner dans l'ascenseur quand même avec le petit bout de terre là qui est dans l'ascenseur là. Non mais voilà. Il y a de la terre en bas à gauche, je crois. Ouais. Attends. Par la trappe. Plus de lumière et d'eau pour pousser. Tu prends la terre ou pas? Non, je peux pas. Shit. Je fais comment pour récupérer la flotte? J'ai pas de torchon, j'ai rien là. L'eau coule dans le tuyau vide. Ok, tuyau qui fuit. Si tu as une fuite, ça coule partout sur le sol. Hein, c'est plus le cas. Donc si je mets trop de pommes dans le tiroir de bureau ouvert, c'est pas mes idées, j'ai besoin de quelque chose pour le faire pousser. Si seulement je pouvais trouver un peu de terre. Ah ouais? Je suis comment pour amener la terre jusqu'ici? Tout mon inventaire est là. J'ai raté quelque chose, c'est sûr. J'ai raté quelque chose. À quoi là? Non. Là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il y a un morceau de toi qui est parti. Par ça. Je ne sais pas. Ah, je suis pas loin de la fin, je suis sûr là. Je suis pas loin de la résolution. Et bon, de toute façon, je vais arrêter là-dessus. Il est quelle heure? Il est midi 10. C'est très bien. Passer sur la scène blabla. Très très bien. Je pensais avoir fini le jeu, mais finalement, non. Passer en jeu châtinge. Ah, j'ai plus que deux trucs. J'ai plus que deux. Faites camé, oui. J'ai plus que deux chapitres. C'est cool. Zazegoul. Bon, du coup. Bon, je vais certainement finir le jeu tranquillou de mon côté. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Ah, j'adore les mecs qui mettent des captures de tous leurs écrans.
Ta-ta-ta. J'ai pas la musique? Merde, j'ai pas la musique. J'ai pas la musique. Oula, qu'est-ce qui m'a fait exécutable? C'est quoi ce délire? Ah ouais, merde. Ça n'a pas capturé la son. Mais putain, c'est exécutable, c'est quoi ce délire? Hein? Ok, là j'ai un truc que j'ai pas compris. Pas par défaut. On m'explique pourquoi je sectionne. Capture la fenêtre en premier plan avec raccourci clavier. Capture audio session from a selection of executable. Ah, on peut plusieurs trucs en même temps? Ouais. Par contre, j'ai pas près d'elle. Merde. Je les vois pas. Ça, c'est moche. Et ça, c'est moche. Salut, Ocellus. Ah, bah, c'est à ce moment que t'arrives, toi. Pam, pam. Ah, j'ai pas la musique, bordel. Attendez. Désactiver ça. Bon, je vais me supprimer. Je vais rajouter capture de sortie audio d'application. Je vais mettre Petzl. Bibibi. Bibibi. Ok. Pas d'exécutable. Ok. Là, j'ai la musique. Et je peux rajouter un filtre. NDI. NDI. Donc je mets tout, on s'en fout. Et là je mets Pretzel. Normalement ça doit marcher. Ok. Ouais. Il n'y a plus de musique. Ah là ça marche. Putain. Génial. Alors, en gros, t'as le lien de scam URL. C'est quoi? Je viens de trouver un nouveau scam sur Discord. Ultra vicieux. Le lien de scam URL c'est en mode active. Et un joli embed en dessous qui reprend un embed officiel Discord. Ah ouais? Un embed, ça te dit protège ton compte de scam en activant le. Ah putain. Ah moi j'en ai eu un, il était très fort. Il a spammé sur le Discord et en plus il a spammé. C'était un mec que j'avais parlé en DM et du coup il m'a envoyé un DM le bot là. Mais ce qui est marrant, c'est que dans le DM, il a mis @everyone. Je dis, ça pue. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Ah ouais, le super scam. Attends, du coup. C'est en mode active A2F. Mais c'est quoi? C'est dans les channels ou c'est en DM qui t'envoie ça? C'est en DM, non? À tous les coups, c'est en DM. À tous les coups, c'est en DM. La send. Ok, je vais regarder ça. Ah ok, attends, regarde. Ah oh, oui, c'est beau. Do not let the hacker. Bon, déjà c'est en anglais, donc tu te crains, mais. Enable2fa.com. Ah oui. Salut Gazan, ça va? Mais alors du coup, c'est quoi? C'est en DM ou c'est en... C'est dans un channel? Parce que le enable-2fa, oui, effectivement, c'est... Bon, déjà, c'est un peu chelou, hein, déjà. Ça va, ça va. J'allais finir, j'allais manger, mais bon. Vous arrivez à ce moment-là. C'est une image pour le moment, on m'a reporté ça. Ah, d'accord. Bon, l'adresse, elle est vraiment... Elle est vraiment con. Hein.
enable2fa.com. Et du coup, quand tu vas sur ce genre de site-là, ça fait quoi? Ça te pose des questions ou c'est juste un truc qui va te siphonner de quelque chose? C'est un domaine qui pourrait encore être jugé crédible. Ouais, c'est ça, ouais. Active A2F. Oui, oui, oui. Ah ouais, j'ai fait grâce mat. Ah ouais, si t'as fait grâce mat, tant mieux. Hein. Mais ouais, j'ai... It's important to keep your account safe and secure. Utilise two factor authentication. SMS backup, QR code login to keep your Discord account in your hand. Mais ça te rend vers quoi ce site à la con là? Je suis au café là. Ah oui, d'accord. T'as un décalage horaire. C'est une page de phishing Discord. Ah ok, ouais. Enfin, c'est ok. D'accord. C'est pas hyper violent. Faut juste. Quand t'arrives dessus, tu te barres quoi. Mais ouais, ouais, d'accord. Je vais montrer l'info. C'est. Mais mec, c'est pour choper les. Choper les comptes quoi. Je regarde ce que c'est, mais si machin il balance. De toute façon, nous sur le serveur, dès que le bot il balance trois messages en moins d'une minute, il se fait tège. Hein. Non, il s'est fait tège comme un con parce qu'il a fait un copier-coller de son message pour mettre dans trois salons différents. Enfin, il était jusqu'à trois, hein, il peut-être a voulu faire un peu de choses. Pour demander de l'aide, et puis du coup, bah, il s'est fait tège comme une merde. Donc. Mais les bots, ils sont très cons parce que vu qu'ils spam, ils essaient d'envoyer les messages dans plusieurs salons en même temps. Alors déjà, ils prennent le Everyone, déjà que nous, on interdit. Ça a été interdit sur le Discord, le zéro absolu. Là. Et puis, le fait de balancer très rapidement des messages, là, ça te banne direct. Et le login est bien foutu, il va tester en même temps avec les infos que tu donnes. Ah ouais? Allez, si toi, même toi tu le dis qu'on peut se laisser avoir, c'est que franchement ça va être très très bien fait. Merde. Salut Gaming Factory, ça va? Allez, donc faire attention là au scam de Discord. Mais de toute façon, allez, donc du coup là les mecs... J'ai rebalancé quand même le message. Tac. C'est quoi, c'est un lien que tu m'as mis? C'est un imagure? Un imagure? Copier le lien du message. Okay. Je vais lancer ça, on va voir. Ouais, c'est vrai que ça change des nitros. Là, du coup, ils attirent plus les gens avec des trucs du style. Ah, on vous donne quelque chose, maintenant c'est... On va vous faire peur, vite, activer la double authentification. Est-ce que c'est cool? Non, là, ça marche pas. Tu dis que c'est cool, tu passes pour un débile. Oh merdier. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait lui? Ah oui, mec, j'ai un stream pixelisé, mon dieu. Bah oui, mais en même temps... En même temps, 4000 de débit, ouais, faut pas rêver quoi. Il a un Xeon, ok. GeForce 1080. Ok. Et chez SFR. Ouais, pas de chance. Ah merdier, je vous jure. Bah ça va, là je vais pas tarder à les manger. Là j'ai fait du Silent Edge, là c'est pas mal le petit jeu d'aventure là. Sympa. Sympatoche. Il est pour réglage du micro. Bah oui. Ouais, les filtres audio, mec qui mettent ça bêtement. Donc, tiens, moyen de mettre la cam en 3D. Bah oui. Attends, elle est quoi sur Streamlabs? Ah non, sur Streamlabs, tu peux pas. Ah si, tu peux. C'est quoi? C'est avec...
Allez, on va remettre une vidéo. Ils vont être contents. Je suis corporate à mort, là. Bah oui, on peut faire ça comme ça. On peut bidouiller comme ça. Attendez, je vais faire ça. Je vais mettre la réponse. Comme ça, être content. Polypop. Je crois que j'ai une vidéo là-dessus, Polypop. Ah oui, c'était le mois de janvier, en plus il n'y a pas longtemps. Hop. Allez, on va mettre ça. Tac. Allez, pause. Partage. Hop là, allez, zou, ça c'est fait. Oui, excusez-moi. Alors du coup, je viens de tester, le scam est assez bien fait pour demander l'A2F avec tu te connectes. Ah ouais, l'A2F sert donc définitivement à rien. Tu reçois à la fin après t'être coupé. Ah ouais, merde. Ça pointe vers cet article. C'est un lien officiel. Ah ouais? Attends, du coup, comment ils font là? Attends, mais c'est quoi le but du jeu là? Du coup, il va sur l'A2F, mais il te pique tes infos comment? C'est chaud patate leur truc là! Chaud patate, je sais pas, c'est bizarre. Hein, une page de fichier avant de te montrer l'article. Ah, ouais, d'accord, ok, oui. Donc, oui, en fait, ils prennent les infos avant, mais ouais, du coup, tu fais le truc, il te demande un code, enfin, il te demande de valider. C'est limite, il dit s'il vous plaît, valider pour confirmer. Valider sur votre truc et te chope les infos. D'accord. Ouais, comme toujours. Ça va être chaud ça, parce que quand tu vas aller sur des sites du style où il faut que tu connectes Discord sur des bots, tu peux te faire baiser la gueule quoi. Comme leur page prend en charge l'A2F, avec même si tu l'avais déjà activé, bah, tu te fais quand même prendre le compte. Tu te prends. Alors page, d'accord, prends la 2F et même avec, même si tu l'avais déjà activé, bah tu te fais quand même prendre le compte. Ah non, ça protège pas du phishing, non, je suis d'accord. Pour ça, faut être sûr du site que tu vas, mais comment tu peux être sûr que le site, parce que là, les mecs, ouais, c'est bizarre. Parce que là, même si tu as le double authentification, tu peux faire baiser la gueule. Bah. Que tu valides la connexion, mon truc. T'as vu à quoi ressemble la page de phishing? Ouais. Non, j'ai pas été voir. J'ai pas été voir, attends. Je vais ouvrir avec un autre truc. Je vais ouvrir avec un autre truc. Attends, je vais ouvrir avec ça. Attends, comment je vais installer moi? Je vais installer quoi, moi? Un truc qui a rien de connecté comme ça. Ah ouais. Ouais, putain. Ouais. Ah, tu mets ton identifiant, ton mot de passe, donc déjà super. Attends, je vais mettre un truc.
Ah, faut mettre une adresse, ok. Voilà, mettre un truc débile. Ah, il vérifie le truc quand même, hein. La salope. La salope. Ah ouais, non, j'ai mis un truc complètement... J'ai mis une adresse complètement foireuse et puis un mot de passe que je sais que ça marche pas, quoi, mais... Le machin, il te dit « Welcome back !» Et puis quand tu fais « Ok », non, non, c'est pas bon. Hein, quoi? C'est con, quoi. Ok, ouais, ouais. Donc en fait, il vérifie après. Donc si c'est bon... Et comment ils font après? Ça, je piche pas. Ouais, c'est bien foutu, ouais. Bon, ben, c'est un... Déjà, c'est un site à bloquer, ça. Comment on fait pour bloquer ça, d'ailleurs? D'ailleurs, c'est quoi le... T'as regardé l'IP du truc? 2FA.com. Ah, c'est d'IPv6 en plus. Ouais... Il est en IPv6 le machin. Il a pas d'IPv4 cause de merde. Ah mais on peut leur baiser la gueule, c'est-à-dire tu te mets un full IPv4 et niqué. Ça passe pas. Bon ça se fait. C'est quoi ce délire? Ok, attends, je regarde. D'accord. On va un test pour me... Attends, on va le coup. Je vais faire ça. Merde. Je relance le truc du coup. Je relance le truc. Attends, est-ce qu'il est ce con là? Navigation privée, c'est où là-dedans? Je sais plus où c'est. Activer le VPN, ah ouais. Je sais plus comment on fait. Bon, super. Je suis vraiment nul à chier. Je sais plus comment on fait là-dessus. On va faire là-dessus. Oui. Tac. Tac. Hop. Hop. Enable. Donc, on a dit. Déjà, c'est qu'il y a le clou de fer avant. Il y a un clou de fer. Protection, clou de fer. Tu fais ça. J'aime bien ton mot de passe. Ça, c'est du mot de passe, ça. C'est top. Donc, je fais ça. Je suis un humain. Ah, il me demande deux fois que je suis un humain. Ok, ça pue la gueule. Ah, il me demande la digit. Mais c'est une vraie digit ou pas? C'est ça le truc. Si je mets quelque chose de complètement foiré, ça marche ou pas? Si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, le digit backup en plus. C'est bien, c'est bon. Je pense que ça bloque. Ok, attends, je vais mettre 1664, 1664. En hommage à... Et une bière. Ah ouais. Il se base sur quoi pour faire le double authentificateur? Parce que là, du coup, tu es obligé d'utiliser ton... un truc qui est lié à ton compte, alors. Et tu es en DM. Ok. Ah, est-ce que t'as fait un compte, en fait, exprès pour ça? Ok. Alors, ça fait quoi? Ah, ça te renvoie là-dessus.
Ah, ok. Super. La bonne blague. C'est vraiment du troll, quoi. Du style. Vous êtes fait baiser. Perso, c'est un truc de chez Discord pour te dire tu t'es fait baiser. Ouais, ouais, mais qui dit que c'est pas Discord derrière? Je sais pas. Bizarre, hein. Parce que moi, je sais que dans ma boîte, ils font ça des fois. Ils font des faux mails, des faux scams pour voir qui se tombe dans le panneau. Et après, ils font des stats. Ils disent bon ben on a eu tant de personnes qui sont fait baiser. Par un message à la fin. Bah c'est pas ça le message pour te dire comment vous authentifier. Hein. Tu penses que. Ouais, ils auraient peut-être fait une page spéciale en disant vous êtes fait niquer. C'est sûr. Oui, c'est ce qu'ils mettent dans ma boîte, c'est vrai qu'ils disent ah vous êtes pas voir. Il y aura une. Vous aurez un blâme. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre ton truc, hein. C'est chaud ça. Peut-être pour ça qu'il y a des mecs qui se font avoir peut-être bêtement. Effectivement. Et après ils font quoi de ça, de ce compte-là? Ils rebalancent après Est-ce que c'est pour faire... Ah, c'est ça que je comprends pas, c'est à quoi ça leur sert d'avoir, de choper des comptes. À part. Ah, si, peut-être, pour essayer de choper des comptes d'admin de Discord. Peut-être. Parce que c'est comme ça que ça marche, hein, les scams. Hein. C'est pour essayer de choper des mots de passe pour accéder à certains sites sensibles. Enfin, sites sensibles, on peut dire. Peut-être ciblé, non? Des fois, c'est ciblé, hein, genre de truc. Hein. Mais tout aussi bien fait, ça peut être que ciblé. Après, il balance autant par. Autre part, les liens. Il récupère les infos que tu donnes. En plus, bah, il secoue Discord et attire d'autres gens. Bah oui, oui, c'est ça, oui. Oui, mais le but du jeu, c'est quand même quoi? C'est le pognon. C'est pour. C'est pour. Comment dire? Récupérer des mots de passe ou des contacts, des. Tout, en fait. Hein. Je sais pas. Hein. Moi, je sais que dans la boîte, souvent, ce qu'ils se disent, c'est qu'il y a des mecs qui arrivent à choper des identifiants comme ça, leur permettre de se connecter, et des temps soum-soum, et puis pour choper des infos. Truc industriel, hein, piratage industriel. Tu mets ton mot de passe, bah, tu as potentiellement d'autres sites. C'est pas faux, ouais, parce que souvent, on utilise les mêmes mots de passe. C'est vrai, beaucoup de gens. C'est vrai que c'est une façon de récupérer le... Des mots de passe pour plein d'autres sites. Ouais, du coup, ils chopent ça et puis après, ils testent Gmail, les machins, les puis ils vont. S'ils le font, c'est qu'ils ont de quoi se rentabiliser, ouais. Ouais. Surtout ce niveau-là. Autant l'autre qui fait le Nitro Discord, ces petits joueurs là à côté. Hein. Ah, c'est fort celui-là. Hein. Balèze. Hein. Balèze, balèze. Ce que dit, il y a quand même le serveur pour le. La double authentification, parce que quand tu fais ça, normalement, tu dois avoir un certificat pour ça. Parce que ça veut dire que tout ce qui est double authentification, truc Thalès et compagnie, c'est complètement has-been quand tu vois ça. Besoin de certif? Ah bon? De quoi? Pour les trucs avec les applications, là, que tu récupères les 6 chiffres? C'est con comme le monde. Oui, d'accord, super. Le mec, il va me foutre les pétoches, lui. Ah merde! Putain! Qui c'est qui a balancé la. Putain! Salaud! Voilà, salaud, j'ai disparu. Faut que je refasse ma cam, j'ai toujours pas fait. Ah, quel est le salaud! C'est monsieur Kazan qui a explosé son streamer préféré. Merde! Attendez, je reviens! Voilà, je suis là. Je suis là. J'ai été caché. t'as juste en même temps à faire les vrais formulaires de connexion avec ton bac. Ah bon?
D'accord. User piégé voit le faux, mais en simultané, t'as la même chose qui se passe côté serveur avec la vraie page. Ah, CAPTCHA, il y a pas mal de techniques pour les envoyer à distance. D'accord. Oui, parce que ça passe par leur site. Pour ça. Alors du coup, c'est quoi le plus solide? C'est les tokens physiques alors? Bah non, ça va, c'est pareil. Et tout compte bypass une A2F, ouais, d'accord. Donc il n'y a pas de sécurité, quoi, tu veux me dire. Hein, c'est ça? C'est... La double authentification, c'est de la merde, quoi. En plus, nous faire chier, c'est de la merde. Oh putain. Ah là 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 là. Ouais, puis le truc avec l'empreinte digitale, c'est pareil, en fait, c'est juste une surcouche par-dessus l'A2F. Juste au lieu de taper le code, tu mets ton empreinte digitale. Ça revient plus ou moins au même, mais le token physique est plus simple à re-entrer régulièrement vu que c'est un bouton sur une clé que tu peux laisser insérer. Ouais, moi je pensais plutôt à ça. Ce genre de truc. Ouais, je suis du FBI. Les safe words. Un numéro de série dessus, on rentre dans une base. Et puis après, c'est un truc de chez... je crois que c'est Thales qui fait ça. Tu mets ton code à 4 chiffres, ça t'ordonne un autre code. Et tu rentres ce code-là. C'est un peu... Enfin, c'est chiant, façon de parler. Mais... Yubico, ouais, je connais, c'est les trucs avec les clés USB, là. Ouais, mais je crois que tu m'en avais parlé de ça. Plus simple à rentrer régulièrement. Mais là, c'est en physique, tu tapes même pas, quoi, le truc. Tu valides en appuyant sur le bouton, je crois, c'est ça? Je sens que c'est ça, hein. Je sais plus si c'est ce truc-là. Ok. Donc, bah, tu te prends pas la tête à taper des codes, des machins, des bidules. C'est vraiment physique, c'est toi. Là, c'est un peu plus compliqué, peut-être, pour bypasser la double authentification avec ça. Ouais, c'est un peu le principe du WPS. Pour le... Comment ça s'appelle? Pour valider la connexion inbox, quoi. Un peu dans la même idée, quoi. Hein, tu bloques la MAC adresse et tu valides en appuyant avec le double bouton WPS, quoi. Tac. Mais ouais. Step simple, ce serait bien plus safe avec un truc comme à condition de régulièrement demander validation. Bah ouais, du coup. Ouais. Ouais, mais est-ce que tu mets cette clé-là pour tout? Toutes les... T'as une seule clé pour toutes les authentifications ou... T'imagines, t'as une clé pour chaque. Attends, j'ai ma clé pour Discord, attends. Hop, je la mets, clac. J'ai ma clé pour Twitch, attends, tac. Faut la perdre. T'as besoin de mes lumières? Ah, c'est bien, t'as la chance, j'en ai. J'ai ma clé USB, puis c'est RFC. NFC, ouais, NFC, ok. NFT. T'as ta clé NFT. Avec un singe dégueulasse. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Kazan? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Kazan? Après ton écran, là, qui était en HDR. Vas-y, dis-moi. Une deuxième clé qui reste branchée au PC. Ah ouais. Tu fais des doubles de clés, en fait. En fait, je vais dire j'ai une clé. Je vais dire que j'ai une clé. En fait, c'est pas vrai. Mais c'est terrible, là, ce que tu me racontes, en tout cas. Merde. Double authentification un peu pété. Ouais. Oh, Yubico, c'est une plus ancienne qui me sert de clé backup. Ah oui, d'accord, ok. La Yubico, d'ailleurs, ça marche avec tout ou pas? Tiens, parce que ça me fait penser. C'est peut-être mieux que... Ça marche sur quel OS? Je suppose que ça marche avec du Windows, du Linux, tout ce qu'on veut. Installez votre YubiK. C'est un dongle en fait. Hein.
C'est la vieille technique du dongle. Ah, c'est fait en Suède, aux États-Unis. Ça marche Win, Linux, Mac en théorie, mais pas testé. Ah. Ça marche sur Minitel ou pas? Non, ce que j'aurais savoir. Hein? Quoi? Ah, il y a du nano. Oh putain, le truc que t'oublies sur le PC portable. Sécurité, case, c'est lequel que t'as toi? C'est le bio? Non, c'est quoi? NFC? Pips? C'est quoi tout ce merdier? Ah, c'est le merdier ça. YubiKey 5 Series. Ah, t'as une de l'USB. Oh là. Ah, il y a du Mac, ouais, d'accord. Ah, t'as double. T'as du USB-C pour le truc Mac. Oh, les nanos, c'est trop petit là. Surtout que tu paumes ça. Security Case Series. Ah, c'est ça que t'appuies dessus. Oui, il y en a deux différentes. Security Case NFC. Ah, oui, d'accord, c'est le connecteur qui est différent. NFC pour aller avec le tel et USB classique pour aller avec le PC. Attends, de quoi tu parles? USB plus NFC, d'accord, oui, je vois ça. Oui, il y a Key Series et un Key, là, il y a bleu et noir. Ok, il y a des couleurs différentes. Il y a le biométrique, je pense que ça, c'est pour. Là, c'est. En plus, ça t'a ton empreinte. Donc, d'accord, c'est les deux premiers qui sont là. Mais le NFC, pourquoi? Non, je comprends pas. Ça sert à quoi? C'est que le téléphone. Tu branches sur le téléphone? Non, j'ai pas compris. Salut Blood, ça va? Comment ça va-t-il? Oh là, ça y est, il y a un chat qui tourne. Mon dieu. Le tel a pas de prise USB. Bah si, t'as de l'USB-C si t'as un tel. Certains tels font ça. D'accord. Ah, d'accord, en fait, tu valides le truc du téléphone sur la clé. Oh putain, oui. Est-ce que la clé a besoin d'être branchée sur le PC, du coup? Je ne suis plus au PC. Oui, non, mais d'accord. Okay. Je suis un peu con. Hein. Des fois, t'inquiète, je suis un peu con. On fait exprès. Comment ça, monsieur Blood? Comment il va-t-il bien? C'est bon, il a pas eu de crise cardiaque. Apparemment, il est toujours vivant. Avec ses jeux là où il a peur partout. Avec ses viewers qui essayent de foutre une crise cardiaque. C'est salaud. 12h42, quand même. Ça fait déjà au moins une demi-heure que j'ai dit que j'allais manger. Hein, mais bon. Ça va. Ah, ça va, il te rentre bien, hein, on va dire. Ah, bordel. C'est quoi ton truc? Ok, c'est ce que tu m'as mis. J'adore ton truc. Hop, je pars. J'adore cette emote. C'est trop drôle. Ok, d'accord. Donc tu l'as, ton porte-clés. Ah, je vois tes clés, je vais les copier. T'as fait une photo de tes clés. Je vais les copier. Je kiffe. Ouais. Non, je vais le faire dans le sens. Mec. Ah, bordel. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs, c'est quoi, non? Ouais, t'es comme ça, ouais, mec. On va plus faire comme ça. Hein. Merde, faut enregistrer ça, ouais, carrément. T'inquiète. Un dick slide. Eh, mais un vrai. C'est un vrai dick slide. Que je fasse quelques conneries comme ça, je sais pas si c'est jouable à faire. Mais bon, là, c'est juste le gif qui est comme ça. T'es pas emmerdé, hein, tu te mets. C'est bon, tu fais tout seul. T'as pas la partie copiable. Ah, zut! Non, non, mais je vois les autres clés en fait. Les autres clés. C'est le mec qui voit rien du tout, mais c'est pas grave. Mais à travers mon écran, je peux voir le NFC. Attends, je vais regarder, ça marche ou pas à travers l'écran? Oh, mais qu'il est con. Qu'est-ce que je fais de beau? Ben là, j'ai joué à. Je sais même plus. J'ai joué à un jeu. The Silent Edge, voilà. Dis-moi. Silent Edge, un jeu d'aventure qui est assez sympa. Moi, j'aime bien, c'est un jeu qui. C'est les voyages dans le temps. Moi, j'aime bien quand c'est les voyages dans le temps. Grand fan des Retours vers le futur. Enfin, tous les films de voyages dans le temps, j'adore. Je kiffe. Le point and click. Ouais, du point and click. Hein. Mais très old school. Hein. Point and click, c'est très. Ah, les point and click, j'aime pas parce que c'est d'ici, c'est très linéaire ou autre chose. En fait, on se fait chier, mais là, ça reste linéaire, mais l'histoire, elle est sympa. Donc, du coup, ça passe. Puis, de temps en temps, tu te dis, merde, qu'est-ce qu'il faut faire là? Je comprends pas. Et quand tu découvres, ah putain, je suis intelligent. Voilà. C'est bien, c'est cool. T'as l'impression d'être. Oh, la tête comme ça. C'est génial. Les Terraclos. Ah, mais ça y est, tout le monde se réveille. Mais non, il faut pas que je stream le matin, il faut que je stream le début d'après-midi là. C'est pas possible.
Là, j'ai commencé à streamer à 10h30, les gars. Poserai la question sur Discord. Oui, oui, tu poseras la question sur Discord, il n'y a pas de problème, mon cher. Il n'y a pas de souci. J'y répondrai volontiers. Enfin, je sais pas si j'aurai la réponse, mais on essaiera. Ça va, Terra? Il y avait un jeu 2D dur. Mais je te conseille, hein, Silent Edge, si tu as l'occasion. Bah après, c'est peut-être pas streamable parce que c'est vrai que c'est un peu. Mais c'est à jouer quand même. Hein. Il y a des jeux que tu peux pas streamer, c'est clair, hein, forcément facilement. Moi, je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très, très porteur. Science-fiction, ah ouais. Ça va, Terra. Graphisme très droit. Alors, très droit, je pense que tu veux dire certainement style. Old school, 8 bits pixel art, truc comme ça, non? Ouais, science-fiction, il y en a plein, là, comme ça. Hein, mais moi, je suis de l'époque jeu d'aventure sur Amiga, Atari, encore à la grande époque. Hein. Mais sinon, moi, j'ai dit, les vieux, ouais. C'était même pas des point and click à l'époque, c'était on tapait les textes. Hein, donc, c'était style aller au sud, enfin, on tapait S, entrer pour aller au sud. Bien sûr, c'est en anglais, hein, c'était génial. Et sur Amiga, tu crois, je crois, oui, alors t'étais peut-être... Il y avait Bat, BAT, qui avait ça, qui était pas trop mal. Il y avait quoi d'autre, hein. Alors, il y en avait plusieurs, en plus. Hein, truc science-fictionnesque. Il y a Blade Runner, que j'avais racheté, là, il y a pas longtemps. Il est très bien, le Blade Runner. Bonne ambiance, bonne adaptation, pas du film, mais bonne adaptation de l'univers de Blade Runner. Il est très très bien. Non, il devait ressortir une version, je crois, un peu plus fluide en termes de cinématique. Graphiquement, pas forcément mieux, mais bon. Blade Runner en 2 ou 3 CD. Ah non, attends. J'ai mieux, moi. J'ai Blade Runner en DVD, moi. Je l'avais eu, c'était avec des Packard Bell à l'époque. Je l'avais piqué dans un... J'en ai des Packard Bell. J'ai réussi à choper le DVD. DVD de Blade Runner. Sinon, on va être né sur 4 CD, je crois. Ben, c'est comme X-Files. Hein, j'avais acheté X-Files, il tient sur 8 CD. Et il y a une version DVD. Genre des singes qui t'attaquent. Des singes qui t'attaquent. Ah oui. C'est Non, mais les doux singes. Non, c'est pas ça. Genre des singes qui t'attaquent, oui. Continue clic, il y a Deponia. Ah oui, c'est pas le même genre, oui. Deponia, c'est plus... ça fait style dessin animé, quoi. Heart of Darkness, mais beaucoup plus vieux. Ah ouais, c'est Flashback. C'est pas Flashback, par hasard. C'est pas du point and click, d'ailleurs. Parce que Heart of Darkness, c'est pas du point and click, c'est du jeu de plateau. Là, tu me dis, moi, ça me fait penser Flashback. Voilà. Vu de côté, le début, le mec, il va dans un complexe pour faire des expériences. Il y a la foudre qui tombe, et puis il se retrouve téléporté dans un monde parallèle. Enfin, un autre monde. Je sais pas si c'est parallèle, mais voilà. Et d'ailleurs, quand tu démarres, tu te retrouves dans la flotte direct, quoi. Tu te fais téléporter dans la flotte. Et si tu fais rien, tu te fais bouffer par je sais pas quoi, et si tu remontes, tu te fais attaquer par les sortes de petits vers là qui sont sur le sol, là, dès qu'ils sont à côté de toi, clac, ils se redressent, puis une sorte de griffe là qui te bique la gueule. Another World. Oui, mais c'est la suite. Attends, t'as Flashback. Oui, c'est ça, attends. Parce qu'en fait, il y a une suite. Il y a enfin la version américaine, version. Attendez. Flashback, je ne dis pas de bêtises. C'est un jeu de chez... De toute façon, il était ressorti chez Ubi. Remasterisé, ouais, c'est un Flashback. Il y a eu Another World qui est la suite de Flashback. Il est sorti sur la NES, la Super NES d'ailleurs, c'était... Attends, Another World, c'était avant ou c'était après? Je sais plus. J'ai un doute. C'était Another World en premier et Flashback... Parce que Another World et Flashback, c'est le même éditeur, donc c'est Microïd qui a sorti ça. Ouais, c'est sorti sur Switch en plus. Attends, je vais faire un wiki parce que sinon là je sais plus.
Planet Overworld, c'est Eric Chahi, oui, qu'elle a fait, oui, d'accord. Mais c'est la suite ou c'est un jeu de chez Delphine? Planet Overworld, attends, Flashback, c'était la suite, hein. Je sais même plus. Ah non, c'est Another World, ok, ça c'est Another World, c'est le premier. Et après, il y a eu la suite, où c'est le même nom que... Pouf, je sais même plus. Mais non, c'est la suite. Flashback, c'est où? Deuxième vie, portage de version originale, ok. Ah, puis Richaï, il a fait Heart of Darkness, donc du coup, c'est peut-être pour ça que ça ressemble un peu dans, dans l'idée. 15e anniversaire, 20e anniversaire. D'accord, mais... Ouais, Another World n'a pas eu de suite à proprement parler. Il y a eu ainsi quelques jeux avec des similarités de gameplay, graphisme inspiré Another World, sans pour autant constituer des suites. Flashback développé par les films. Un Flashback est en premier. Oh putain, je suis confondu là, ça y est. Je deviens sénile. Mon dieu. Mais oui, en tout cas, oui, ça me fait penser à ça. Voilà. Donc c'est bien Another World. Bon, le jeu est quand même sorti en 91 sur Amiga et Atari ST, hein, 91, hein, ce qui nous fait quand même 30 ans. Ah oui, c'est ça, c'est Eric Chahi. Suite officielle, je sais pas trop. C'est bizarre parce que je parle bien de Flashback, mais attends, j'étais persuadé que c'était lié les deux là. Attends, Flashback. The Quest of Identity. Ouais, non, en fait, c'est le même délire de système de jeu, en fait. Non, je me rappelais plus de Flashback que de Another World. Ok. Another World. Je sais plus comment il s'appelait en anglais, d'ailleurs. Je crois qu'il n'y a pas le même nom. Une version américaine, un peu différente. Il n'y a pas le nom différent, là, non? Non, non. Ah oui, c'est ça. Aux États-Unis, il s'appelle Out of This World. C'était ça, l'astuce. Et au Japon, il s'appelait Outer World. Et en Europe, c'est Another World. C'est tellement compliqué à dire pour nous. Ok, sorti sous plusieurs titres. Donc les collectionneurs sont obligés d'acheter les trois jeux, la version européenne, américaine et japonaise. Voilà. Ça tombe avec des jaquettes différentes. C'est génial. T'as vu passer la dernière annonce de mon Discord? Non, j'ai pas vu. Non, excuse-moi. Non, non, j'ai pas vu. Attends, du coup... J'ai tellement de Discord, du coup, j'ai pas fait gaffe. Attends. Merde. Putain, mais attends. Je suis con, quoi. Je suis con. Sur lequel? Sur le FTNL? Ah ça, c'est sûr, celui-là. Hein. Attends, t'as fait une annonce? Une annonce. Un concours pour gagner plein de sous, une Lamborghini. Les petits lézards, qu'est-ce qu'il y a? Translate. Bot de minutes de traduction simple sur Discord. Ouais. Et des bots de traduction? D'accord, ok. C'est cool. Mais le bot, il marche toujours, le bot de protection là, de raid, de contre les raids ou pas là? Plus trop. Fonctionne pas sur mobile, ok. Elle est limitée, vous devez souscrire un abonnement pour pouvoir accéder à des traductions plus amples. Ouais, ou sinon vous apprenez la langue. Hein. D'accord, ok. Plein de monde collectionne les jaquettes. Ouais. Bah moi j'aimais bien acheter les boîtes, moi. J'aime bien, j'ai... Attendez, je vais montrer une boîte. Un jeu que j'ai acheté à l'époque à Micromania à 349 francs. J'ai de baiser. Hein. C'est le jeu de Dinosaur. Trespasseur, je sais pas si vous connaissez. Avec un joli... capteur. En 3D. Enfin, c'est en 3D. C'est gaufré, on va dire. Un petit effet gaufré dessus.
Et rien que ça, bon, je dis pas que ça vaut 349 balles, mais bon. Ah merde, ça y est, il y a un qui essaie de me choper là. Mec, il a acheté des jeux chez Micromania. Hein. Ouais, mais hey, t'étais en franc à l'époque. Hein. Ah merde! Ah merde, c'est raté. Ah putain, mais c'est pas possible, ça marche toujours pas, mon machin là. Oh. Attendez, attendez, là, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, hein. Je vais remettre la caméra, mais je sais pas pourquoi elle se décale. Tac. Non, je peux pas. Si, oui, peut-être. Pourquoi elle se barre? D'accord, ok. La merde. Ça fait de la merde. Ok, au-dessus, ça a tout pété. Bon, c'est pas grave. Oui, j'ai acheté chez Micromania, oui. Raté, je l'aurai un jour, je l'aurai, oui. Classe, ouais, ouais. Ah, j'aime bien, moi, certaines boîtes. J'ai des jeux, j'ai d'autres jeux, hein. J'en ai plein de... des jeux de l'époque de mon vieil Amstrad. J'ai quelques jeux... bah, la X-Files, par exemple, j'ai le truc X-Files, la boîte X-Files, qui est absolument magnifique. J'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai un truc avec Steven Spielberg, là, pour en faire des films. Alors ça, c'est... Bah, demandez-moi les jeux pourris à acheter, c'est moi qui l'achète, hein. Espaceur en France, je pense qu'ils ont dû vendre un exemplaire. C'est celui-là, voilà. Je pense que c'est celui-là. Parce qu'en français, vous ne le trouverez quasiment pas en téléchargement. Donc je le vends à 5000 euros. Alors, si vous le cherchez en download, parce qu'on le trouve en download, hein, le jeu, hein, y a pas de problème, en version hackée et compagnie, mais il est qu'en anglais, enfin, vous ne le trouverez pas en français. Hein. Moi, il est en français, doublé en français. C'est pas sous-titré en français, c'est doublé en français. Le son est en français. Et la voix de Hammond, c'est la voix du film. Enfin, c'est la voix officielle du doubleur du film. Donc, cool quand même. Cool Raoul. Mais sympa le jeu. Mais j'ai bien aimé. Je crois que c'est un des rares jeux que j'ai fait deux fois. Un peu comme lire un roman, je l'ai refait deux fois. Mais par contre, là, j'ai essayé d'y rejouer pas si longtemps que ça. Ouais, ça pique un peu quand même. Hein. Bonjour monsieur Batou, ça va-t-il mon Batou? Et oui, j'achète des jeux moi, ça arrive. Ça arrive. Apprendre l'anglais, faire un bot qui traduit les messages. Oh, deux secondes. Pas très drôle. Et oui, c'est vrai que c'est un dur jeu. Très drôle ton... Ah, bref, bonjour, ça va, Batou? Je vais manger, bordel, putain. Et tout le monde se lève à cette heure-là. Et moi, je vais streamer à partir de midi. Hein. Midi 30. Voilà, chiche, la prochaine fois. Ben moi, c'est tout le temps que j'achète des jeux. Mes seuls comptes que j'ai rien acheté, c'est Epic Games. Eh, mais je parle des jeux physiques, des boîtes. À part si tu joues avec des consoles. Ah, monsieur Blue qui m'envoie un MP. Qu'est-ce qu'il m'envoie? T'as joué que deux fois au jeu? Non, mais il est pas rentable. Alors, si on entend, parce que j'ai quand même mis du temps. J'ai mis quelques heures quand même dessus. J'ai quand même passé quelques heures dessus quand même. Moi, je suis en plus sur ce jeu-là, j'étais plutôt du genre à aller farfouiller partout comme un débile. Le bout d'un effet néon qui clignote et des. Ah ouais, nouvel overlay, sympa. Peut-être mieux que ton logo que t'avais là, que t'avais récupéré. C'est cool. Moi, on voit bien le Blood. Hein. Cool, avec. Ça manque un peu de tag sur le mur, non? Je sais pas. Hein. Je dis ça, je dis rien. Peut-être que c'est peut-être trop. Ce serait. C'est peut-être un peu over. Overchargé, peut-être, hein, non? À voir. Donc, du coup, le chat, il est à gauche, c'est ça? Ok. Sympa. Clean, propre, oui, c'est bien. Nombre de viewers, machin, sub, ouais, classique. Ouais, après tu me diras, faut pas trop charger non plus, après ça fait Jackie. Ouais, ok, c'est cool. Non, c'est bien. Ça fait, dans l'univers, quoi, un truc un peu, mur un peu dégueulasse comme ça, là. Un mur en brique, là, qui est bien usé, avec deux, trois monstres derrière, c'est bien, ça fout bien les pétoches. Bon, j'allais manger, hein, les gars, c'est cool. Sympa d'être passé en tout cas. Moi je vais aller becter. Faut que je règle ce putain de truc de. Je croyais que j'avais réglé, mais non, ça marche pas. Faut que je règle ça. Puis plus, ben, faut que je passe sur l'Iron Board, la V2, parce que j'ai toujours pas passé. Et je vais me faire niquer la gueule. C'est-à-dire, ça a pu marcher à partir du 28.
Nouvelle API de Twitch, à partir de 28. Donc, pas oublier de changer, migrer vers la version nouvelle version d'OBS. Ou si vous ne migrez pas vers la nouvelle version d'OBS, ne pas utiliser le... En fait, il faut utiliser le clé de flux pour que ça marche. Voilà. Ça mange quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Peut-être un plat préparé, pour se faire chier. Je ne sais pas. Non, je crois qu'il y a des... On a des endives à manger, donc peut-être manger une salade d'endives, j'en sais rien. On va voir, on va improviser. Let's go ma couille, ici Jackie avec ma gueule GTI. Ouais, GTDI, la GTDI. C'est mieux, ça va mieux. Twitch qui va maintenant kill Kraken. Oui, ils vont kill le Kraken. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des soucis dernièrement sur OBS, sur Streamlabs. Enfin, sur plein d'applis en fait qui étaient en train de migrer les API. Donc, tout ce qui était connexion de... Connexion de service entre Twitch. Donc il y a certainement des trucs qu'on utilisait qui vont plus marcher parce qu'ils vont pas être mis à jour. Ou qui seront pas mis à jour et bah du coup c'est mort quoi. Je veux pas stream sur Streamlabs moi. Non mais tu streams sur OBS donc il faudra peut-être que tu changes. Faudra que tu migres sur la version 27.2. Ah, non, t'as déjà migré toi. Bah si. Oui, t'as immigré, c'était peut-être ton problème, oui, c'est vrai. Streamlabs. Ouais, bah après, il y en a qui stream avec Twitch Studio, alors, hein, bon... ouais, c'est que l'histoire avec le cache, ouais. Bah, il y a plein de mecs qui ont des problèmes avec le cache, hein, donc, apparemment, c'est bien ça, le fameux cache. Ça a dépanné quelques personnes, je peux le dire. L'histoire. Usine à gaz sans éthique. Ouais, c'est ça, avec plein de Z. Sans éthique, ouais. Bah, surtout qu'ils ont beaucoup de services qui font payer et que tu trouves gratos, enfin, moins gratos, que tu peux trouver, oui, gratuitement sur Internet, quoi. Enfin, qu'eux, ils ont pris les idées, enfin, les idées ou même des fois des applications, ils ont mis dans leur grosse application et voilà, quoi. Ils ont fait un tout en un. Ce qui est... Ce qui est moche, c'est qu'effectivement, ils verrouillent le truc. Ils font un peu en mode... comment ça s'appelle c'est un écosystème, quoi. Comme ça, tout tourne dans leur propre logiciel. Moi, je sais qu'il y a des mecs qui utilisent Streamlabs. Du coup, ils ne peuvent pas aller dans OBS parce qu'ils ont des... Ils ont des... C'est quoi des... Alors, c'est pas des overlays, je sais plus ce que c'est. Des trucs spécifiques à Streamlabs et tu peux pas les récupérer dans OBS. Je sais pas si c'est des overlays dynamiques. Enfin, je sais plus ce que c'est. Il y a des trucs un peu bizarres. Donc du coup, t'es un peu coincé. Et par exemple, Pretzel, tu prends Pretzel là, qu'on est en train d'écouter, enfin, vous entendez la musique. Quand tu prends le Prime de chez Streamlabs, tu as Pretzel qui est intégré dedans. Donc... Et des gens, ils prennent Streamlabs parce que tu as des trucs qui sont déjà... Tu as des services que tu payes ailleurs. Pretzel, c'est payant. Si tu as le... Alors, je sais pas si... Enfin, je m'imagine que c'est le même service. Enfin, j'espère. Sans voir capable peut-être de te filer la version gratuite, tu sais, de Pretzel. Je pense pourquoi. Un peu salaud. Mais il me semble que... Ouais, tu... Parce que c'est quand même... Pretzel, c'est... Avant, c'était 5$ le mois. Maintenant, c'est passé à 15. Et Streamlabs, je crois que c'est 13 balles, non? Je serais quand même surpris que t'aies tout quand même, mais bon. OBS pour les nuls en fait. Oui, c'est ça, ouais. Argument, tu cliques, tu... Ouais, mais c'est quand tu connais... Bah, imagine, tu prends un mec qui connaît rien au stream, il dit tiens, je vais streamer, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher logiciel de stream. Bon, à mon avis, le premier truc qui sort, c'est Streamlabs. Hein. Puis il dit, ah, il y a tout dedans, c'est génial. Allez, où? Pour les jeunesses. C'est... tout est intégré dedans. C'est vrai que pourquoi tu te prends de la tête? C'est après coup, tu dis, ah, je vais faire des trucs. Ah, tu peux pas le faire. Ah, si, tu peux le faire, mais c'est payant. Ah, merde. Et puis, bah. Après, t'as la flemme, tu sais pas si tu peux transférer des trucs. Je sais même pas d'ailleurs si t'arrêtes l'abonnement, les trucs que t'as téléchargés, si tu peux les utiliser, théoriquement, t'es pas censé pouvoir les utiliser. T'es en défaut, certainement. Ouais, c'est attractif, ouais. Bien sûr, mais le design est plus attractif. Ah oui. Ah oui, c'est... Enfin, si on peut placer ça plus... User-friendly, ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu la logique aussi de chez le gâteau. Hein.
gâteau, tu payes super cher pour... Bah, ça marche, hein, je dis pas le contraire, hein, ça marche. Hein, mais le truc, c'est que tu peux avoir certainement la même chose pour moins cher, et puis peut-être mieux, parce que quand tu vois certains boîtiers qui font, qui capturent une meilleure qualité, que meilleure fréquence que du Elgato, t'es mort de rire, quoi. En stat bloc, c'est un genre de PlayStation Plus, si t'es plus abonné, c'est bloqué. Alors oui et non, en fait, tu peux quand même récupérer les overlays. Mais je suis pas sûr que dans un sens, ce soit très legit de les utiliser hors abonnement, quoi. Parce que c'est comme si tu utilisais du matériel qui t'appartient plus, quoi. Et tu l'as loué. Au moins, le gâteau ne copie pas des services d'autres sites. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais ils sont pas non plus super innovants. C'est ça le truc. C'est quand ils ont sorti... qui sont sortis là, attends, ils ont sorti, il y a les facecam, bon ça ok, c'est une caméra, Razer a fait une caméra aussi super high tech, merde, ils ont sorti quoi là, leur lampe, là, leur deuxième lampe, là, la pédale, oui, la fameuse pédale, la blague de la pédale, mais je j'ai pas compris là, ça a sorti au 1er avril, j'aurais compris, mais là, putain, en boîtier de capture, c'est de la merde, mais par exemple, le Stream Deck, c'est... Ouais, c'est ça, moi, je pareil, je suis pas très boîtier de capture, le gâteau. Moi, le Stream Deck, c'est très bien, ça marche bien. Leur bras, là, leur bras de micro, a l'air d'être pas mal. Bah, je voyais, ça. Surtout le bras, le low profile, là, qui m'a l'air d'être bien. Leur micro est correct, je pense, hein, il est de bonne qualité. Avec leur logiciel qui est assez sympathique pour ceux qui ont pas envie de se prendre la tête avec VoiceMeeter, c'est vrai que c'est pratique. Mais ça reste très cantonné sur... Tiens, tu peux pas utiliser un autre micro, c'est vraiment que ce micro que t'as. Après, qu'est-ce qu'ils ont? Après, ils ont tous les systèmes de fixation qui sont pas mal. Leur éclairage qui est bien. Ça reste assez qualitatif. Mais les boîtiers de capture, ils sont un peu à la ramasse. Hein. D'ailleurs, ils n'ont pas sorti beaucoup hein, de récemment. Ils ont sorti... il y a le HD 60S Plus... Et puis, il y a le. Après, en carte interne, c'est une carte qui a quand même 2 ans, je crois. 1 an, 2 ans. C'est pas hyper. Ça bouge pas beaucoup. Hein. Donc, là-dessus, sur les cartes de capture, c'est un peu comme Coca et Pepsi. Quoi. Ils sont... Il y en a un qui fait plus, vachement plus de promos que l'autre. Qui a un service commercial qui est blindé et qui arrose comme un débile. Donc, du coup, les gens, ils voient que ça. Ils disent, bah, il n'y a que Elgato. Quoi. Les autres, c'est de la merde. Non, non. Toi, c'est le 2 plus 4K. Ouais, ça marche bien, ça. Ça marche bien. L'avantage, c'est que tu peux l'utiliser, je crois, en autonome pour enregistrer. Tu mets une carte SD dedans et ça enregistre. Cool. C'est bien comme boîtier, ça. Ouais, peut-être un peu vieilli, puis quand même. Ouais. Mais ça restait quand même... même en étant assez ancien, il marche pas mal pour la 4K et... Ouais, t'es limité par si t'as des écrans avec des grosses fréquences. Des écrans à grosse fréquence, bah, t'es coincé parce que t'es obligé soit de baisser la fréquence ou faut bidouiller un truc à 2 balles avec OBS ou avec le clonage là. Enfer. Bah, là c'est ce que je fais, là je fais un clonage d'écran en 60 fps. C'est un peu la merde quoi. 9 sur le bon coin, 30 euros, ah, bah dis. Bah tu sais, moi les cartes d'acquisition, la Vermedia, pareil. C'est une carte interne, la 4K, là. Normalement, neuve, elle vaut 240 balles. Je l'ai payé 120 balles sur Rakuten. Neuve. Boîte neuve. Encore sous le film plastique. Neuve. J'ai pas compris. Je peux la PS4. Ah oui, d'accord, oui. La PS4 qui tourne à 30 FPS, quoi. C'est ça? Non, c'est la PS... Non, c'est pas la Pro. 100 balles encore, neuve aussi. Bah oui. J'adore, tu te réponds à toi-même. J'adore quand c'est les trucs de réponse de Twitch, c'est complètement pété. Hein. N'importe quoi. Même la pro, c'est du 30 sur beaucoup de jeux. Ah ouais? D'accord. Là, je voyais le. Alors, le jeu, la Forbidden West, là, enfin, Horizon, là. Techniquement, là, on sent que les mecs, ils maîtrisent la console, hein, quand même. Tu sens quand même que là, c'est pas les premiers jeux. Hein. Ouais, il est propre, ouais. Il est propre et on sent que c'est quand même, ça commence à être maîtrisé. Mais je sais pas sur PS4 que ça vaut, c'est bien aussi. Le bon coin, ouais. Bon coin, c'est un mec qui vendait ça
cul du camion, quoi. Hein. Mais le jeu, il est pas mal. Hein. On sent que ça commence à bien maîtriser le bousin. Mais quand on voit là tout le merdier, là, les fameux influenceurs et qui parlent du jeu, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient complètement intégrés dans une campagne de communication de chez Sony. Là. Ils se sont fait manipuler en fait. Hein. C'est... Let's go! Ah ouais, d'accord, t'as dit let's go. Que les mecs ils disent chien, c'est génial, machin. Ouais, non mais. Attends, t'emballes pas. Quand tu vois les abribus, t'as de la pub pour le jeu. T'as des. J'ai pas encore vu de pub à la télé, mais à mon avis, on doit pas être loin. Donc les fameux influenceurs qui font leur. Bah, qui ont eu leur télé de près, hein. T'es prêt quand même. Le Media Center à Londres. Ah ouais? Media Center à Londres. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Media Center à Londres? Par contre, j'ai vu, ils ont fait une statue, je crois que c'est à la Sydney. C'est une statue d'un... Une statue d'un des mécas, là. Merde, j'ai mis de la merde. Ah, mais c'est ça, c'est la statue. Attends. Oui, à Londres. Mais Center de Londres. Ah, oui, d'accord. D'accord. Cast vidéo ads. Non mais là c'est typique, c'est le truc américain là, c'est... Londres, Waterloo. Ah, la gare de Waterloo. T'as carrément une énorme statue, mais c'est un peu... Oh, c'est pas la même, mais comme le truc de côté du... La pub de quel jeu? De Horizon Forbidden West. Ouais, j'ai vu ouais, le truc là avec la vidéo, ouais. Mais sinon, la gare de Waterloo, là, donc à Londres, pareil, t'as une sacrée statue. Mais c'est de la campagne de pub à mort, hein. Ah, attends, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi? On fait un truc sur le port de San Francisco? Non, attends. Non, c'est dans le jeu, ça. Ça c'est quoi ça? Ah non, ça c'est l'entrée de Guerilla. Oui, dans Guerilla, ils ont un super super méca à leur entrée là. Ouais, donc du coup, ils ont fait une grosse pub. Vache, oui, non, la grosse pub de. Ah oui, c'est ce truc là, oui, c'est pas ça que je voyais, d'accord, ok. Je voulais le truc à côté du McDo, mais non, d'accord. Ouais, bah là, c'est. Les mecs, ils ont mis à mort hein, sur le jeu. Hein. Ok, je viens de voir, ouais. Ok, et dans la démesure avec les pubs titanesques. Donc du coup, les influenceurs, ils sont carrément dans la boucle. Hein. C'est de la publicité. Hein. C'est plus gros, ouais. C'est légèrement plus gros. Ouais. Ah la vache, le truc. Et Sony, de toute façon, ils ont mis de la thune là-dedans. Hein. C'est clairement le jeu qui est censé être la vitrine technologique de la console. Là, là tu oublies le jeu là, qu'ils avaient sorti à un moment donné, là... qui était super dur d'ailleurs avec la nana avec dans son scaphandre là quand tu mourais tu redémarrais comment ça s'appelait ce jeu là, ils ont raison même si le jeu est toujours cross gen. Ah, Returnal, ouais, c'est ça, Returnal, ça c'était un pareil, c'était une exclu du PS5, c'était assez technique façon de parler, ça ressemble plus à une grosse démo qu'autre chose quand même, mais ouais c'est du cross gen, ouais. Et c'est un des derniers bons jeux de la PS4. Et c'est un excellent jeu sur la PS5. Hein. Sur PS4, je sais pas ce qu'il voit, apparemment il est bon, mais contrairement à un Cyberpunk, quoi. Pareil, Cyberpunk sur la PS5,
avec le patch là, next gen, ça a l'air de bien marcher. Je te dis, le jeu est propre, mais il est cross gen. Imagine le prochain qui fera, sera pensé exclusif à PS5, ouais. Non, il passe bien, ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça le truc, c'est que exclusif PS5. Déjà, quand tu vois, c'est quand même vachement bien pensé. C'est le système de visée avec l'arc là, avec la manette gyroscopique. Bon, ils ont rien inventé, hein. Tu prends une Wii, ils faisaient pareil. Hein. Franchement, mec, ils vont faire quoi? C'est génial. Non, 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 les mecs, là, vous avez juste recyclé un truc. Hein. On se calme. Vous avez rien inventé. C'est juste que voilà. Toujours pas test sur PC, j'ose pas. Cyberpunk, Mission 17, j'attends depuis très longtemps. Du coup, j'ai peur d'être déçu. Non, après, c'est un PC qui tient bien, c'est pas de raison. Hein. Surtout que là, le jeu, il s'est vachement bien bonifié. Hein. Exclu PS5, quand tu vois le fric qui se font sur PC avec la foire, l'exclu PS5 risque de devenir un souvenir. Ouais. Alors, on va dire non. C'est... En fait, ça va être exclusif pendant quelques mois. Ça va être un peu comme quand tu... Pour les films, toi, c'est... Non, il y a du pognon à se faire. Surtout que ce qu'ils veulent, c'est essayer de convertir peut-être des gens PC à la console. Du moins... à l'écosystème PlayStation. Essayez de faire ça. C'est dur, hein, c'est difficile parce que déjà il y a le Game Pass. C'est compliqué. Hein. Mais ils ont de bons jeux. Quand tu vois Days Gone, ça a bien marché, je pense. Sur PC, c'est pas le même jeu, ouais. Exclusif 6 mois, ouais. God of War a une plus-value. Je sais pas. Je sais pas, c'est le même jeu, non? Qu'est-ce qu'il y a comme plus-value? À part les modes, les fameux modes, les mecs qui veulent faire des modes. 200, God of War sur PC et oh bah, t'as aimé, ça tombe bien, les deux sont bientôt sur PlayStation. Ah oui! Oui, oui, le Ragnarok. T'as aimé God of War? Ben bah, vas-y, tu veux y jouer? Achète une PlayStation. Non, parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'ils veulent, faire de l'achat impulsif. Voilà, la config qui va bien, et clairement le rendu est vraiment au-dessus. Ah oui, d'accord, à ce niveau-là, ouais, d'accord. Ah ouais, on revient toujours au même problème. Hein. Tu me dis, j'ai un PC, j'ai une patate, est-ce que je réinvestis dans un PC ou est-ce que j'achète une console? C'est là que tu te dis, ah ben j'ai bien aimé les jeux Sony, finalement j'ai peut-être acheté une console. Bon, moi ça sera pas le cas parce que déjà, je n'arrive pas à jouer avec une manette, donc les jeux... le jour où ils changeront ça. On pourra jouer console sur console avec clavier souris, je dis pas. Mais là, non. Donc, moi, si je pour jouer qu'à la manette, c'est pas la peine. J'achète une PS5 pour jouer à 30 FPS. Oui, c'est ça. Et puis, il faut la télé, en plus. Si t'as pas l'écran, compatible, t'es niqué, quoi. Ma RTX 3060 le fait bien tourner. Ah oui, d'accord, ok. Ah, mais non. Une console, c'est fait pour durer 10 ans, théoriquement. Donc là, la PS5, ça allait coûter au début, donc dans 10 ans, ce que ça va donner, je sais pas. Hein. Les jeux consoles sont faits pour la manette et les souris, et bien souvent désavantagés. Ouais, ouais, mais je sais pas jouer à la manette, donc j'y arrive pas, moi. Donc je suis une bille, donc c'est pour que je m'énerve sur le truc, c'est pas la peine. Moi, j'ai la Wii, ouais, les jeux Wii, j'y arrive à peu près quand c'est pas trop compliqué, mais quand ça commence à être un peu tordu, j'ai du mal. Ben. Ouais, pour arriver à choper une PS5, oui. Bon, j'ai acheté une Xbox alors. De toute façon, ils ont racheté Call of, donc je vais être très bien. Je vais très bien à ce niveau-là. Bon, allez, sur ces conneries-là, on va peut-être aller manger, hein, parce que je sais pas ce qu'il y a à manger. Merci les copains, en tout cas, d'être passés. Bon après-midi. On se dit à bientôt. Je suis mis à Fortnite. Ah, oh, putain, j'ai pas ton âme. Je vois bien que je me suis fait entuber face à un joueur manette qui est assisté par comme un gamin de 2 ans. Ah ouais? Si on allait manger, ouais. La soupe va être froide. Bah oui, mais bon, là, moi, je vais pas me brûler. Des bisous. Bon après-midi. Bon appétit. Ok. Allez, bon dimanche. On se verra. Bah, au pire, ce sera vendredi soir. Fin d'après-midi. Sinon, on verra. Allez, des bisous. Et bon dimanche. Allez, ciao. Merci de passer, en tout cas. Cœur, ouais, love. Bisouille.